à rouler dessus, quoi. Hop, là je suis en GoPro, hop. Magasin de vêtements. YouTube. D'achat, oui. Allez, j'ai lancé un live, hein, les gars. Hein. Tant qu'à faire, parce que j'ai pas envie de me taper un montage. Alors, vous connaissez un peu le truc de costume ou pas? Ça vous dit quelque chose? Ismaël, salut! Ah! Par contre, j'ai oublié. On l'a fait quand l'annonce? Faudrait la faire maintenant. Hein. T'as la photo de l'endroit où est-ce que c'est dans. Oui, mais moi je peux pas là, je suis occupé là, je lance ma GoPro là, je suis en train de préparer ma GoPro, donc fais-le toi. Ah putain, mais je l'avais où l'annonce? Ah bah demande à. Je sais pas qui. Voiture, eh bah oui, mais moi je peux pas faire tout hein, non plus. Hein. Oh. Ah, tu veux que je dise ce qu'elle monte dedans, non? Chemise. Oh, elle est dans sa tête un petit peu là. Laura, si tu m'entends, sors de la voiture, tu vas monter dans la limousine, je vais la fermer la voiture. Tornade. Tornade, tornade, non, tornade. T'inquiète, non, t'inquiète. Désolé, je suis dans ma tête là. Je suis en train de paramétrer ma GoPro. Hein. Il faut que je monte derrière. Ah ouais. Ah oui. Voilà. Putain, cette classe. Attends deux secondes. Eh Blake. Ouais. Tu dis rien à Daisy. Pas dire. J'expliquerai. Tu dis rien à Daisy, c'est tout. Sur ce qui se passe là? Ouais, parce que si elle apprend que je l'ai conduite, que machin, elle va me taper encore un scandale, tu vois. On est déjà ah, okay. Là. Juste. Okay, okay. T'étais pas là, c'est tout. Ok. Comment tu vas? Hop, désolé, là j'ai pas préparé. C'est un live imprévu, hein, les gars. Donc on va aller vite. Toc. Dans le coup, j'avais même pas changé le. Dis-moi dès que t'es réveillé. Hein. Ouais, t'inquiète, je suis vite là. J'ai même pas changé les titres, là, je suis obligée de remodifier le live, c'est casse-couille, c'est vraiment casse-couille. Ça va que je sais faire et que j'ai habitude. Athéna Gameuse, hop, hop. Allez, putain. Couper le son. Voilà. Modifier. Laura... Laura se met avec Ferreira sur la ville. C'est quoi déjà? Unity? Unity RP. Good! Ça c'est fait. Tac. C'est bon les gars, c'est bon. Hop. Ah ouais, mais j'ai oublié un truc les gars. Oh là 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 là. Les pauvres garçons. Ah, il est en train de mettre l'essence. Hop, je mets ça, hop. Je mets la photo en dessous. Hop. Du gouverneur, Nathan. Ouais, c'est bon pour lui. J'ai fait l'annonce dans le général. Personne ne voulait le faire. Ce coup, j'ai mis 23 en 20. Dans le général? Mais c'est pas RP, dans le général. Bah tu veux, je le mets tout, je peux le mettre nulle part. Mais je peux le mettre nulle part. Tu veux que je le mette tout dans le Twitter? Non mais moi je peux faire une annonce hein, en jeu, mais il y a tout le monde qui pourra venir, mais encore, même pas, je peux pas donner la position.
Mais ouais, non, mais au bout d'un moment, tu veux, je le mets tout dans l'annonce. Il n'y a aucune annonce pour faire des trucs comme mais ça. Si, tu mets ça dans l'événement officiel, en fait. T'aurais dû faire je peux pas écrire. Je peux pas écrire. On peut pas écrire, nous. Nous, on peut pas écrire dedans. Bah, t'en aurais, pas, t'en aurais parlé au staff et tout, on aurait pu, hein. Enfin, on aurait pu. Ouais, bah oui, on aurait pu, mais bon. Depuis tout à l'heure, on a oublié. Enfin, inutile. C'est bon, je suis in-game. Ouais, je le mets dans le multi-life. Alors, je me mute. Hein. Multi-life, tac. Ok. C'est bon. Oh le bordel, toi. Calvin, ça va ? Non, non, ça va pas, non. Pourquoi ? T'es stress encore ? Bah, ouais, un peu. Eh, hey, frérot, des stress. Tout oui. Va bien. Si t'aurais caché la limousine. Non, bah non. J'ai pas. Non, ok. Blake ? C'est où ? Ouais. Blake ? Ouais. J'ai reçu un message de Daisy. Ah ! Ouais. Et ? Il m'a vu en limousine. Je lui ai dit ouais, mais je lui ai dit, tu m'as vu en limousine, mais ça veut pas dire que je suis son témoin ou quoi, tu vois. Ouais, bon, de toute façon, là, on tape un scandale, je le sens. Putain. Là, faut que je lui parle, je vais lui parler après si elle a envie. Du coup, ouais, Laurent, ouais. On va où par contre ? De quoi ? T'as dit quoi ? Excuse-moi, je t'en. Je mange. Je te disais, on va où, tu sais, non ? Oui, je sais. Attends, je te mets le GPS. T'es loin ou pas ? Parce que sinon, je vais le planter. Hein. Merde ! Putain, mais qu'il est con ! Nathan ? Mais qu'est-ce que tu fais, mais t'es en route ? Nathan ? Oui ? C'est où exactement sur le GPS ? Sur la carte ? Mais le sur lieu. Oui, mais je peux pas, je suis en live là, je peux pas faire que des retours Windows à chaque fois. Hein. C'est où ? Attends. C'est sur le bord de la plage. Mais au bord de la plage, c'est grave. Oh merde, mais je sais pas, mais regarde, je peux pas. Le ponton ? Non, avant. Avant, à côté de la banque ? Tu peux pas prendre ton téléphone et regarder. Je vais regarder, stop. Attendez, vous inquiétez pas, arrêtez de paniquer. C'est bon ? Non, mais le pire, c'est que je lui ai demandé. Tu me demandes de tout faire, je peux pas tout faire, je peux pas me changer, réparer ma voiture. Moi, bah, tout faire, mais je peux pas, je suis en live. Je vais pas non plus ben m'amuser non, à faire des retours Windows. Hein. Ah, putain bon, j'y avais pas pensé, mon portable. J'ai ouais, Discord. Ouais, putain. Yo, Gendarmerie Nationale, comment ça va, poteau ? Bon, je suis sur le serveur Unity RP, hein, qui est très très bien comme serveur. Hein. Attendez, sans faire exprès, j'ai écrasé mon témoin. Il est con. On a le staff qui est très actif, qui sont bien. Donc là, on en a un, là, dans la vocale, là. Il y a un ES qui arrive, c'est bon. Donc, il y en a un qui est en vocale avec nous, c'est Calvin. Hein. Laura, j'ai roulé sur le témoin, quoi, merde. Hein, de quoi ? Il arrive dans deux secondes. Il... Ah d'accord, il est au téléphone, ok. Bonjour Jean-Paul. Putain. Le stress. Hey Blake. Ouais. Frérot. Oui. Appelle Daisy, arrange le truc là, elle va me taper un scandale sinon. Mais c'est quoi le truc ? C'est quoi le problème ? Je comprends pas. Si, mais on va jouer sur les deux serveurs. En ce moment, il y a personne sur Gold Life, donc je vais pas pouvoir faire des streams. Là, je reprends un peu les streams. Ouais. Ouais, je suis là. Tu
tu... Ça va? Tu parles plus là, ça y est, je me suis dit, c'est bon. Ah, si, c'est parce que je suis concentrée, tu vois, parce que je me suis dit, je regardais, tu sais, si j'avais assez de batterie sur ma GoPro, parce qu'en cas où, tu sais, si je l'ai bien chargée ou pas. Mais c'est bon. Ok, c'est bon. Attends, ouais, ouais. Petite pause. Et en plus, l'avantage sur ma GoPro, c'est que en fait, je peux lancer un direct. Tu vois qu'est-ce que je veux te dire? D'accord, bah tant mieux là. Bah ouais, dans le coup. Bah justement, on m'envoie des messages et tout, c'est trop chou quoi. On fait une pause, pourquoi? Y a un problème? Calvin? Non, t'inquiète, je paramètre juste un petit truc sur le GPS et c'est bon. D'accord. Garde du corps du gouverneur. Désolé, Laura. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Calme-toi. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Mais oui. Opère et ta catatote. Non, rien. Laisse tomber. Quoi? Et si t'es stressé, t'as qu'à prendre ton manche à balai et t'exciter, hein. 2 minutes, hein, pour te calmer. C'est hein. Tout à l'heure quand tu seras marié. Hein? Je ferai ça tout à l'heure quand tu seras marié tranquillement, tu vois. Non mais stresse juste pas. Et tu sais, et tu sais que bon, tu sais que après voilà, ça arrive souvent que la mariée est en retard. Hein. T'inquiète pas. Hein. Bah vas-y tranquille, on va boire un verre en fait. Vas-y tranquille, bah c'est bon alors. Allez, let's go. Oui non, n'abuse pas non plus. Non mais si je suis en retard. Je respecte les stops, qu'est-ce que tu me racontes? Ah bah c'est bien. Je respecte même pas les stops. Bah c'est bien. Respecte pas la police non plus. Et tu me respectes pas non plus? Comment ça je te respecte? Moi je respecte pas. Non mais je te pose la question. Ah bah si je te respecte, je suis en train de t'amener en limousine. Si respecte-moi toi plutôt. Mais je te respecte. Déjà je suis en costard, je suis vachement serré. Tu sais que c'est pas mon type de vêtement là. Je suis pas dans mon élément. Hein. Oh Calvin. J'ai ma meilleure amie, ma soeur qui est en train de m'embrouiller parce que je suis avec toi. Elle est en train de me taper un caca nerveux, tu sais même pas. Ah bah sinon t'as qu'à la détendre aussi hein, du string hein. Ouais bah, elle est un peu tendue. Tu le connais pas Jean-Paul. Bonsoir Raoui 2000, comment ça va? Mais... Ouais. Dis-moi, tu te rappelles du nom du gouverneur? Je sais plus comment il s'appelle. J'ai ma GoPro qui me demande. C'est Monsieur Koudou si je me trompe pas, le gouverneur. Ok, merci. Bah attends, j'espère que mon mec il est là, hein, sur place. Hein. Ah! Ah! On y va, mais d'abord c'est le marié qui doit être sur place. Hein. Non, mais on va faire un tour en fait, je te fais visiter la ville. Je t'ai pas dit. Ah. Wow. Oui, c'est moi, t'es où? Bah je suis sur la zone. Ok, bon bah on arrive. Ok. Ah, je vois ta limousine. On arrive, hein. Ouais, tu nous dis quand tu veux qu'on fasse venir la mariée, hein. Faudrait qu'on soit tous présents sur la piste. Va de la limousine, tu la gardes devant et vous attendez. Allez directement sur... on y est passé, Blake. Va directement là-haut. Avec Mehdi. Oh Blake. Ouais. Va directement sur place avec Mehdi. Mais c'est là-haut. Où? Mais on y est. C'est derrière. C'est derrière. C'est là où il y a eu l'événement de boxe la dernière fois. C'est ah là, ok, vas-y. Vas-y, dis à Mehdi qui te suit. Suis-moi, clochard. Clochard. T'as rien entendu. Clochard. Bon, du coup, je viens avec Laura, du coup. Ben, j'ai essayé de faire partir les Yo, gens Amélie. De la piscine, mais sans fond avec leur appareil. Bon, moi je fais un tour avec ta femme, tu me le dis, et puis après on vient. Jean-Paul, tu peux faire quelque chose?
Je n'aimerais pas vraiment avoir ton chauffeur de limousine vu l'état de la limousine. Quoi, la limousine, qu'est-ce qu'elle a ? Eh bah, elle est cassée. Quoi ? Ouais, ouais, la vitre, arrière. Mais non, mais vous... Sérieusement ? Regarde sur ma GoPro. Ah, même la fenêtre de mon côté qui est cassée. Mais non, mais je la vois en parfait état. Ah, le capot rayé. Le capot rayé. Oui. On fait une session photo là. Putain, on va faire comment? Oh putain, arrête. Ça y est, arrête. T'as pas des outils de réparation pour réparer vite fait? Si, mais bon. Je suis pas sûr, hein. Je mets pas souvent des vides dans mon coffre, mais je vais regarder ce que je peux faire, si. Là, on va s'arrêter sur le côté, là, comme des... arrête, rigole pas, c'est pas drôle. Je descends ou pas? Non, reste à l'intérieur, tranquille, bois un petit verre. Je vais prendre l'air. Jean-Paul. T'as pas vu quelque chose là dans le chat? Nathan? Oui. Dis-moi, on a eu confirmation par Goldeye qu'on peut jouer sur deux serveurs. Oui. Ok, Amélie est en train de me... Limite, mal me respecter, quoi. Clairement, parce que je joue sur deux serveurs. Bah, à l'heure d'aujourd'hui, on a totalement le droit, alors... Tu sais qu'est-ce qu'il me dit? Tu sais qu'est-ce qu'elle me sort? C'est super de jouer sur deux serveurs en même temps, vive le respect. Merci oui 2000, parce que quand je demande un truc, au moins il y en a un qui a compris. Ouais, je la vois encore vrai, cassée. Les gens qui sont pas contents, c'est pas grave. Moi personnellement, Goldeye, il est d'accord. Ah, c'est bon. Je ne vois pas pourquoi on le ferait pas. Et si les gens sont pas contents, bah, ils savent ce que je vais dire après. C'est tout. Pourquoi on est venu te faire une réflexion, Laurent ? Oui, Amélie. Ils sont pas contents, mais moi personnellement, j'en ai rien à faire. Comme d'habitude. On a l'autorisation. Ah bah que c'est que je... c'est super ouais, que je. C'est pas grave, laisse couler, on fait le mariage, on fait notre scène. Les gens qui sont pas contents, ils sont pas contents, c'est pas grave. On a l'autorisation. Je sens que ça la foutra mal. Bon, tout le coup, bah, le mariage va commencer dans 3 minutes. Moi bon, j'essaie de réparer comme j'ai pu, hein, c'est... Ouais, y'a pas de si. Attends, tu me parles quoi, sur Discord ou in-game? Je me rends plus compte maintenant. Ou est-ce qu'on peut venir ou pas? Ouais, c'est bon, faut y venir. Y'a du monde? Ouais, y'a un peu de monde, ouais. Oh putain, ça me stresse. Ça me stresse. Je me mute. Bon, bah j'espère qu'il y aura du monde, mais ça me stresse, hein. Je suis stressée, là. Calvin, je suis stressée! Arrête, je vais... Arrête, je vais me chier dessus, arrête! Tu connais Flashland? Ouais. Bon, après, ça va. Ça va pas se voir, hein. T'habilles en noir. Ça, c'est pas... Oh, c'est pas drôle. Déjà, j'aime pas mes vêtements, déjà. Mais si, t'es beau. Attends. J'en appelle. Ma chérie, oui. Attends, je sais pas où est le gouverneur. Oh non. Il a pas le gouverneur. Attends, je vais lui dire Calvin. Calvin, attends. Il y a un problème, il y a pas le gouverneur. Arrête les moteurs, on se met en stand-by. Sinon, mais il va venir me faire chier. Ah putain, oui, y a pas... mais là, c'est le gouverneur, je sais pas où il est. Salut Adertem. Alors, n'essayez pas de prononcer. Je vais envoyer un mail. Je vais devoir embarrer. Je vais devoir embarrer Amélie, ça me fera chier. On peut pas faire un Twitter? Au pire des cas? On dit qu'on a besoin du gouverneur? Twitter. Euh...
Se connecter, nouveau compte. Utilisateur. C'est bon, ne vous inquiétez pas, le gouverneur arrive. C'est bon, le gouverneur arrive. C'est génial, Calvin. Tu me remercieras quand tout sera terminé. T'es le témoin du siècle. Je suis pas témoin. Quoi, y a pas de témoin? Mais c'est qui le témoin de Laura, alors? Je peux pas être témoin. Laura, c'est qui ton témoin? Attends, non, mais là, par contre, c'est pas prévu, hein? RP parlant, je suis pas censé savoir. Ah, toi, pour moi, t'es mon témoin, c'est toi qui m'emmène, hein? Putain, mais je... Nathan, je t'ai dit quoi hier? Putain! Mais t'as dit que tu me tenais au courant, mais j'ai toujours pas eu de nouvelles, moi, pour savoir si c'était maman ou toi. Tu m'as dit que t'en reparlais avec ta sœur. Bah attends deux secondes, je vais trouver un témoin. T'inquiète. Non. Mais non, mais RP parlant, je suis pas censé. Non, mais même Nathan, il est pas censé savoir. RP parlant, là, il mélange. Si, Nathan, il le sait que je pouvais vraiment pas faire ton témoin. Bah non, là, regarde, il te le dit en HRP qu'il le savait pas, qu'il attendait de tes nouvelles. Je lui ai dit hier. Si, je lui ai dit hier. Je t'assure, je lui ai dit hier. Putain. Je t'assure que bien, il y avait des i. Mais. Non, mais je vais le faire, je vais faire ton témoin, mais. Moi, ah bah oui, mais là, il va prévenir quelqu'un d'autre. Oh là là. Là, c'est la merde, là. Vous faites la merde. Ah, mais c'est prévu au dernier moment. C'est tendax, hein. Franchement... Bah oui, c'est tendu, hein. Moi, je suis tendu. On fait comme on peut avec ce qu'on a. On le fait avant que tu partes. Oui, je sais, mais bon... On va décider, vous, on fait quoi? Non, c'est toi qui fais le témoin à Laura. Je viens de te le demander. Mais là, c'est pas trop un témoin. Non, mais dans le coup, c'est qui fait le témoin? Parce que dans le coup, il me dit oui, C'est bon, c'est réglé. Ah, je comprends plus rien. Calvin qui me dit oui, non, oui, et toi tu me dis ouais, c'est bon, c'est réglé, machin. T'es où Laura? T'es devant? Je te rejoins devant. Laura, je suis désolé, je t'expliquerai tout ça après, mais je suis désolé. Mais je l'ai prévenu hier. On en reparlera plus tard. Bah ouais, mais bon, là ça me la fout mal parce que normalement c'est le témoin qui doit m'emmener. En plus. Bah ah, oui. Moi je pensais être le témoin de Nathan, je pensais que j'étais avec lui. Vas-y, bah tu sais quoi, vas-y, c'est bon, on s'en fout. Fais le témoin de Nathan, je fais le témoin de Laura, c'est bon. Non mais c'est bon, c'est trop tard, c'est réglé en RP. Non, c'est moi qui l'ai amené, c'est moi qui l'ai changé et tout en fait. C'est moi qui la dépose, donc bah, en fait... Oh le mariage, s'il te plaît. Ouais, mais c'est ça, mariage à l'improviste comme ça, c'est chaud en vrai. Hein. C'est ouais. Mariage de Daisy, on a mis longtemps à le préparer. Ouais, bah là on n'a pas eu le temps. Hein. Bon, bah je reviens. Moi j'étais pas allé chercher Laura. Et ah, franchement, on fait ça pour toi, hein, Calvin, hein. Non, mais c'est mort. HRP, ma soeur, elle m'a envoyé un message, là, elle veut se tirer une balle, hein. Elle veut se suicider, hein, vraiment. Genre là, je suis dans la merde, je vais faire ton témoin, et après, faut que je file la sauver, genre, vraiment. Ouais, une fois qu'elle a dit vraiment. Oui, tu t'en vas en courant, c'est tout. C'est vraiment, je pourrais pas rester longtemps, quoi. Allez, on y va, c'est bon, Laura, t'es prête? Ouais. Ouais, mais il y a le gouverneur qui est là? Ouais, c'est bon, il va arriver, t'inquiète. Il m'a dit qu'il arrivait, donc c'est bon. Ouais, c'est moi, je suis censée descendre... être sur les lieux, tu vois, quand le gouverneur est déjà là, tu vois. Ouais, mais le gouvernement, il va arriver, t'inquiète. Juste, on va se poser là quelques secondes. Ouais. Et je vais voir si le gouverneur est présent, t'inquiète. D'accord? Je vais gérer ça. Fais patienter ton live et quelques secondes. Ouais. Jojo. Putain. Jojo. Jojo. Il y a Amélie qui t'appelle en RP sur mon live. Sur ma GoPro. Elle est pas censée savoir que je suis là. Bah en vocal si, il y a t'entends. Hein. Je te rappelle on est en vocal hein, et que je suis en live. Moi, hein. J'entends pas les autres vu que. Ok, le gouverneur est présent.
Par contre, moi, j'ai du mal à parler avec les autres. Je vous entends en même temps, c'est horrible, je vous jure. Je suis tout seul à tenir. J'ai l'impression que c'est moi qui marie, putain. Je suis pas bien là. T'inquiète pas. Non, trop tard, t'inquiète pas. T'es... Prends un mouchoir. Voilà, si t'en as un, pour essuyer ton front. Celle-là, il dégouline là. C'est vrai, attends. Ah ouais. Tu veux que je te le fasse? Je te l'éponge un peu? Vas-y. Putain de merde. Bon, je crois qu'il y a tout le monde, c'est bon? T'es pas ouais, c'est bon. Vas-y, ah, je te suis. Oh merde. Attends, on peut faire une frousse aux gens. Tu dis que la mariée est en retard. Il y a eu un problème. Mauvais bail. Arrête, je suis en panique. Moi déjà, ma soeur, je sais pas ce qu'elle fait. Là, j'ai peur. Non, allez, déjà vas-y, t'inquiète. Allez, calme-toi. J'ai pas envie de la perdre. T'inquiète pas, tu vas pas la perdre. Oh, on attend me spam d'appel. Bah, tu réponds pas. Non. Oh, putain, je suis stressée. Putain, je vais dire que... Ouais, allez. Ça va bien se passer. Quoi, ton ami va trouver très joli. Tu crois? Oui. Bah, mon copain, plutôt. Ton homme? Ton mari? Ouais. Ton futur mari? C'est vrai. Ah oui, quand même. Élégante. Oui, bonsoir. Je suis là, ma chérie. Hein. Bonjour, la mariée. Bonsoir. Je suis sur ta gauche, ma chérie. Waouh. Wow. Il y a du beau monde. Je sais que t'es là. Non, là, je suis à côté. Mais je sais que t'es là. D'accord. Ouais, j'ai reconnu. Je sais pas, je crois que tu es là. T'es magnifique, en tout cas, ma chérie. T'as coupé le souffle. Ouais, petite photo, madame la mariée. Ah bon, mais je crois que c'est bon, on a les deux témoins. Gosse. Ah, c'est qui le fermier là-bas? Je sais pas, mais il est trop John, tu peux venir s'il te plaît? Pardon, je me suis mal positionné. Vas-y, viens, comme ça, toi t'es le témoin de nous deux en fait. On a un témoin chacun, mais toi t'es le témoin du couple. Ouais, calme, tu peux faire quoi? Début. Ouais, les témoins ils se mettent à droite et à gauche. T'es... De quoi? MDM, il est en train de faire quoi là pour toi? Nous on a trois témoins. Nous. Trois témoins, d'accord. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Oui, parce qu'on a c'est un ami de longue date. Bon, bah c'est bon, mais on est prêt. Hein. Bah, je crois qu'on peut y aller. Faut voir si tout le monde est prêt. T'as pas perdu les bagues, Kalim? Ah, oui, c'est. Il me faut les bagues, oui, après. Hein. Hein, t'as pas perdu les bagues? Non, non, c'est bon, j'ai tout. Arrêtez, j'ai tout, c'est bon, vous êtes prêts? C'est bon, prêt. Bébert, mets-toi dans avec les gens. C'est bon. Bah, faudra, je vais t'attendre que le photographe il a fini. Pardon. Bon, monsieur le photographe, vous avez fini? C'est bon, d'accord. Bah, écoutez, bon, les deux mariés, vous pouvez encore vous avancer un petit peu, hein. Vous n'êtes pas timide, hein. D'accord. Allez. Plutôt président. Ça, vous en mettez bien, voilà. Bon, écoutez, ça va, pas trop stressé? Un peu. Si, on a couru un peu partout, mais ça va. Ça va, bon, écoutez, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, vous allez juste vous unir pour la vie. Ah, c'est pas grand chose. Ça ne dérange pas. Non, juste, bon, allez, je blague. Bon, écoutez, c'est quand même une grande journée pour vous deux, j'espère que vous le sachiez. Oui. J'espère que vous êtes prêts à vous dire vos mots et vos vœux aussi. J'espère que vous avez préparé vos vœux. Oui. Ah bah écoutez monsieur, bah d'ailleurs on va commencer par les vœux par honneur aux dames, comme on dit, hein. Allez madame. Je préfère d'avoir mon homme. Bien sûr. Bah écoutez monsieur, allez-y. Alors ma chérie, que dire. Ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Je t'ai vu, je t'ai connu au début, tu étais gouverneur. Tu étais gouverneur. Tu étais quelqu'un de très bête, qui savait faire son métier. Moi, je suis tombé sous ton charme dès le premier coup d'œil, même si on se prenait la tête toutes les 30 minutes.
on se prenait la tête toutes les 30 minutes parce qu'on avait deux forts caractères. D'où on s'engueulait énormément. Mais la partie la plus, celle-là que je me souviens le plus dans notre relation, c'est la première fois en fait où on est sorti, qui était une sortie pas banale quand même, je crois que tu t'en rappelles, elle était pas du tout banale cette sortie. Bien sûr. Où je t'avais invité à boire et qu'en fait à la fin ça a fini qu'on a fait un cinéma mais que le cinéma a raté. Qu'on est parti au bar mais le bar à la fin a fini en karaoké avec plein de gens qu'on connaissait pas. Et après ? Et où à la fin ben, on s'est retrouvé dedans parce que j'avais pas acheté d'appartement, que je crois que j'ai en acheté un. Et où à la fin ben, qu'on a fini en amoureux au bord d'un balcon avec toi dans mes bras. Et c'est ce jour-là devant un coucher de soleil où je t'ai demandé de sortir avec moi, où écoute, tu m'as dit oui. Et c'est vraiment à ce moment-là en fait où t'as attrapé mon cœur. Et c'est à ce moment-là j'ai su que je finirais ma vie avec toi. Voilà. C'est, ah, c'est beau, putain, je vais pleurer, la larmichette, papa. Elle a pas que trappé que c'est un lover. Bah, vous madame du coup, hein. Bah moi, moi depuis que je t'ai vu, j'ai eu tout de suite des étoiles dans les yeux. Tu es mon âme, mon cœur, mon souffle, mon sang, mes veines. Et sache-le que je t'aimerai toujours. Et que ce soit à la vie et à la mort, je t'aime. Wow. Attendez, avant tout maintenant, monsieur qui a les petites bagues là, il va se ramener vers moi. Les bisous. Voilà. Alors mettez-vous vers moi à côté de moi là. Ah bah nous on attend. Mettez-vous bien face à face, ça. Monsieur dame. Voilà, je prends une bague aussi pour le marié. Exactement, donnez la bague au marié d'abord. J'aimerais bien la voir. Merci, c'est gentil. C'est de la vraie. Bon, vous êtes prêt monsieur? Oui, je suis prêt, oui. Allez monsieur Ferrat, êtes-vous pour épouse, madame Laura Smet. Ouais, mais non, j'ai oublié de modifier. Wow. Vous pouvez lui mettre la bague. Ma chérie, je te mets la bague. Je te prends pour épouse pour la fin de nos jours. Madame Laura. La pauvreté, la richesse. Voilà, madame Laura, êtes-vous prêt à prendre pour épouse monsieur Nathan Ferrat? Oui, je le veux. Écoutez, je vous déclare mari et femme. Monsieur, vous pouvez embrasser la mariée. Lune de miel. Voilà. Nous avons un nouveau couple parmi nous. Putain de bien, c'est beau. Bravo. Bravo à vous. C'est bon, le stress est passé maintenant. Ouais. Les deux ont dit oui. Ils ont dit oui. Et maintenant, on va dans la piscine. Ils ont pas dit non. Écoutez, maintenant, on va. On fait la soirée. Allez-y, hein. Profitez à vous aussi. Hein. Musique, nous, là. C'est votre soirée. Merci en tout cas, monsieur le gouverneur. Merci, monsieur le gouverneur. Il n'y a pas de soucis. C'est gentil, en tout cas, sincèrement. Pas de soucis. Bah écoutez, je vous fais bon mariage. Merci aux trois témoins. Hein. Du coup, il y aura un feu d'artifice ou. Oui, il va avoir un feu d'artifice. Attendez, j'ai le collier, attendez, j'y arrive. Bonsoir. Il y aura de la musique, monsieur le gouverneur. La musique, j'espère qu'il y a un DJ, faut commander ça. Elle monte la musique, hein. Ah bah écoutez, c'est. Regardez, je vais sauter du pont. Je ne sais pas. Écoutez, je vais voir ça pour le faire des artifices déjà. Après, amusez-vous. Papa. Et voici le collier de feu d'artifice, monsieur le gouverneur. Parfait. Voilà. Il est là. La bébé a vraiment toujours à l'heure. Ouais, toujours. Attends, hein. Faut que je retrouve les trucs. Ça marche. Il y a beaucoup de gens qui sifflent. Oui, putain, il monte quoi là? Eh ben, je vous montre le colis. Feu d'artifice. Là dedans, il y a des feux d'artifice. Il faudrait réparer mon véhicule. Magnifique, tous ces feux d'artifice. Moi aussi. Vous avez mis où le carton? Vous l'avez mangé? Oh, c'est mignon quoi. Ah putain, t'es bon. Ah, il manque plus de la musique, c'est bon, tout va bien là. N'abuse pas, Goldaïen, n'abuse pas. Et t'as vu Rico? Alors attendez. Pas compris que c'était un mariage, pas un enterrement. Oh, il est en or. Ma chérie. Oui. On aurait combien? Quoi? On oublie. Je dirais rien. On a peut-être oublié de faire un truc. Oui, Calvin. J'ai oublié tout ce qu'on veut. Attends. Calvin. Calvin, on a un petit problème, il manque un DJ. Attends, je vais voir ce que je peux faire, deux secondes. Merci. Ah putain, le but de t'as vu tout le monde qui est. Ah, vite fait. Ouais. C'est hallucinant. Ah,
nickel. Merci. Il y a quelqu'un en attendant, mais... Wow. C'est vrai, j'avais oublié pour toi, c'est... Profiter, oh mais profiter, ouais, mais elle, avec le GoPro, elle peut pas. Ah, ah bah ouais, mais... Tu peux me faire un bisou, s'il te plaît? Oui, ma chérie, je te fais un bisou, bien sûr. Pas. Le temps que tu veux. On est mariés jusqu'à la fin de nos jours, ma chérie. Attends, celui-là, tu m'as fait un bisou à côté. Hein. Oui, bon, c'est bon là? Mais t'es grande aussi avec les talons, ma chérie. C'est toi la plus grande. Regarde-moi ce feu d'artifice, ma chérie, c'est beau. Hein. T'es heureuse? À mon ange. Oui, oui. Ah oh, oui, 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 oui. Oui, non, non, oh. Si, si, mais oui, c'est juste oh. Que je sais pas comment on fait pour prendre en photo. C'est magnifique le feu d'artifice. Est-ce que tu pourrais me faire une photo quand tu m'embrasses, s'il te plaît, pendant le feu d'artifice? Oui, attends, 2 secondes, je vais essayer. Je te garantis. Faut que je me mette bien droit devant toi d'abord. Ah non, je peux pas. Attends, on va réessayer. C'est bon, ma chérie. Tu peux me l'envoyer, s'il te plaît, par mail? Ouais, mais après, alors, pas maintenant. Ouais, ouais, y'a pas de souci. T'as vérifié si elle est bien faite? Non. Je peux pas trop vérifier, ma chérie. Tu sais, j'ai pris mon téléphone et hop. Capture de photo, quoi. Jojo? Jojo? Bon, ça va? Nathan? Magnifique ce feu d'artifice en tout cas, même si j'ai vu la plupart dedans, mais... Non, c'est sa femme, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, Jojo, il est où? S'il te plaît. Il est parti. Eh bien, ça, ok, ça marche. Mèche, hein. Bah, quand il sera revenu, tu pourras lui dire de venir. Ouais, ouf que c'est... ça a été prévu en 2 jours, mais ouais, sincèrement, il est pas mal le mariage. Il y a du monde en plus. Ok, hein. Ça marche. Désolé. Non, t'inquiète. Pourquoi? C'était pour lui dire quoi? Non, t'inquiète, c'est rien d'urgent. T'inquiète pas. Ça peut attendre demain. Ça a peut-être été préparé en 2 jours, ma chérie, mais au moins, voilà, Calvin, il est présent. Quoi. Ouais. Si vous c'est ce qui compte, quoi. Je suis dans la merde. Vous pourquoi? Ouais, t'as fait le témoin, mais t'étais pas obligé, j'avais un témoin de secours. Non, mais non, mais c'est pas le problème, c'était avec grand plaisir de l'avoir fait, mais là, j'ai... Bonsoir, messieurs, mesdames. Bonsoir. Bonsoir. Discuter avec. Je sais pas si vous vous rappelez de moi, mais je me rappelle de vous. Vous êtes pas monsieur le gouverneur? Je sais pas. Ça lui aurait bien fait plaisir. Est-ce que je sais pas, moi, il y a tellement où vous vous ressemblez un peu tous, hein, c'est compliqué. Monsieur... Ah, j'ai... Il me semble alors, vous dites que vous êtes en bonne entente avec mes employés, c'est peut-être parce qu'ils vous ont quasiment sauvé la vie. Lors d'une fusillade, vous vous rappelez pas? Je vous ai récupéré en voiture. Ah, ça doit être ma femme. C'est toi, ma chérie, non? Peut-être? Non? Ah oui! Oui, oui, je me rappelle. C'était mon remercie en tout cas de la recevoir. Ah, mais oui, c'est pas vous. Ah, ben oui, justement, c'était vous qu'on recherchait avec un ami à la mademoiselle. Oui, ben c'est ma femme, sur le coup, vous avez sauvé. Oui, oui, oui. Oui, fusillade devant le commissariat. Et... Oui, c'est on ça. Tu n'es pas là pour ressasser le passé non plus. Hein. Tu es là pour leur dire quelque chose. Ou alors je le fais au nom du Davaï. Ah non, je vous présente mes félicitations en tout cas. Ben, merci. Gentil, hein. Merci de et du coup, ben voilà, de la part de toute l'équipe. Ben, merci en tout cas, c'est gentil. Vous inquiétez pas, on reviendra chez vous pour faire réparer les véhicules. Merci, c'est gentil en tout cas. Ah, ok, je vous souhaite une bonne soirée en tout cas. Merci. Ah, vous aussi. Profitez bien de la soirée. Hein. Merci. Ma chérie. Ouais. T'as eu tout le monde. Pas trop, j'ai envie de me jeter dans la mer et me noyer. T'as vu, je peux comprendre. Là, tu... Quoi?
Bonsoir. Coucou Jawed. Oui. Bonsoir. Alec Pushkin, je travaille pour le Daily News. Accessoirement, je travaille aussi pour Monsieur Lagallo. Vous permettez que je fasse une petite photo Oui, pour, y a pas oui de bien problème. Sûr. Allez-y, allez-y, allez-y. Ça nous fera plaisir de passer dans le journal, quoi. Tellement beau le mariage. Bon, va falloir j'essaie de retrouver ma sœur. Vous t'as essayé de retrouver qui? Ma sœur. Ah, ben j'espère que ça s'est bien passé. Si t'as un problème, tu m'appelles. Hein. Je vais t'aider. Ça va pas bien. Très bien, je vous remercie et toutes mes félicitations. Merci, merci en tout cas. Au revoir. Au revoir. Bien, j'ai squatté sur la photo, pardon. Non, si t'inquiète. Besoin, tu le dis, hein, si t'as besoin. Non, mais là ça va pas. Là ça va pas. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est par rapport au mariage? Profitez de votre soirée un max et puis je vous tiens au courant. Et... C'est par rapport amusez-vous au mariage. C'est non, pas spécialement, juste amusez-vous, profitez, il y a qu'un vous ferez qu'un mariage dans votre ouais, vie. Ouais, mais en tout cas, c'est voilà, moi c'était pour que tu sois là et merci pour tout. Coucou ce que X extrême Rome 1. On te le redora jamais assez, tu sais pour ce que t'as fait. Ouais, il y a du monde. Mais t'as rien à me redevoir du tout en fait. Juste moi je vais essayer de retrouver ma sœur parce que c'est ouais, ça, ouais, t'inquiète, la famille avant tout, vas-y, va retrouver ta sœur et arrange les choses. Ça marche, on s'y en joue. Ouais, il y a pas de souci. Tiens-nous au courant. Bon courage. Ah, ça me fait de la peine pour lui. Ouais, je sais, moi aussi, j'aimerais bien l'aider. Mais... Ouais, c'est whitelist. À partir de 18 ans. En tout cas, il était magnifique ce mariage, quoi. Ouais. Quel... Faudrait dire merci quand même au gouverneur, hein. Ben ouais, mais attends, je vais chercher parce que sur le coup... Ah ben, il arrive. Ah non, oui, non. Comment allez-vous les gens? Ah, très embêtant, oui. Mais madame? Oui. Oula. Oui, il m'a demandé, il m'a dit que vous voulez me voir. Ah non, non. Oui, oui c'est juste pour vous remercier. Ah oui, pour tout cela. Non, mais c'est normal, c'est normal. Ça me fait plaisir. Du coup, il faut qu'on fasse les, faire les papiers pour. Pour mon nom. Bah pour voilà pour son oui. Nom quoi. Oui bon on va faire ça. On va faire elle ça. Aura le droit de garder les deux noms. Ça pose oui. Problème ou Non je pense pas. Ah oh, bah voilà parce qu'elle aurait quand même aimé garder son nom quand même de jeune fille quoi. Ouais oui oui bah écoute elle gardera les deux noms si elle veut. Hein. Ça fera Laura Ferreira Smet. Voilà ça fera bien nom ça fera bien nom à mettre. Ça fera joli moi j'aime bien. Ouais. Bon, bah, en tout cas merci pour tout c'est gentil hein. Bon y a pas de souci c'est normal je vous le dis. En tout cas, le mariage, il est beau en plus, l'endroit. Ouais, j'essaie de commander des feux d'artifice assez rapidement. Non, c'est gentil, oui, parce que nous, on avait fait ça surtout pour notre témoin, parce qu'il, comme on nous a dit, il quitte la ville bientôt. Et, soit ce soir, soit demain. Voilà. En quelques jours, il nous a énormément aidé. Enfin voilà, il nous a énormément aidé. Quoi. Quand ma voiture elle a pris feu, il nous en a offert une. Enfin, il nous a énormément aidé. Ah bah oui, c'était lui. Je me rappelle. Voilà, pour le. Il m'a un peu sauvé la vie parce que je me suis brûlée à cause de voilà, sa voiture en feu. Ah, ouais ouais. Il a sauvé la femme, il nous a aidé pour le mariage. Il a énormément aidé. C'est pour ça qu'on voulait quand même faire ça pour lui. Ah ouais, bah, si vous voulez voir le mariage, et on voulait quand même faire ça pour lui. Avant et aussi lui prouver qu'on était capable d'organiser vite fait un mariage en quelques jours. On a couru partout. On a c'est vrai que c'était bon, c'était rapide, mais regardez, il y a quand même du monde, il y a de l'ambiance. Mmh, ouais, c'est ça. Oui. Bonsoir. C'est félicitations. Merci, merci. 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 Merci beaucoup. Hey, longue vie à vous deux, faites des enfants. Merci. Oui, on va en faire 10. Mon chéri, voilà, n'abuse voilà, pas. Une hein. Foot, une ouh, foot, c'est bien. Cinq filles et cinq garçons. Oui, non, n'abuse pas. Que des garçons. Je rigole, ma chérie. On en fera quelques-uns. Ouais, pas tout de suite, hein. Et, oh, moi, faut que des je me consacre déjà à mon boulot, hein. Ah, et aussi, à toi. Faut quand même qu'on bosse aussi et qu'on aura une situation stable. Là, on pourra faire des enfants. Effectivement. D'ailleurs, monsieur Nathan. Oui. Bah, vu qu'on est là, je vous avoue, comme on est rendu là, vous êtes accepté en tant que garde du cœur. Hein. Ah, merci, monsieur gouverneur. Voilà, on va dire que c'est pas un cadeau, hein, vous l'avez arrêté, hein, c'est un truc en plus. D'accord, mais je ferai tout mon possible pour vous protéger. Ah, bah, j'espère, hein. Vous vous pas. L'intérêt que vous allez travailler. Hein. Ah, oui, bon, là-dessus, vous risquez rien avec moi pas, là-dessus. Ouais. Oui, bah, mais merci beaucoup vous. En tout cas. Y a pas de soucis, bon, je vais vous laisser tranquille hein, quand même. Profitez bon, bien. Y a pas de soucis, bah vous merci, aussi. Monsieur le gouverneur. Soucis, merci, ouais, monsieur le gouverneur. Bonne, bonne journée. Journée. Bonne journée. Oui qu'est-ce qu'il y a? Je
trop content. On a un boulot tous les deux. On est mariés. Et dans la même entreprise. Ouais, trop cool. Ah, trop balèze. Ah. Ah, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Merci, c'est gentil. Et c'était vraiment mignon. Merci beaucoup. Joli discours. Merci. Est-ce que je peux vous offrir mon délicieux vin? Oui, bien sûr. Pas de problème. Ça fait plaisir. Là, j'espère que ça va aller. Oui, off. Je pense qu'il n'y a pas de risque. On va tout faire pour. Hein. Tout le monde a le droit au bonheur. Hein. Exactement. J'ai donné du rouge pour monsieur et du blanc pour madame. Non, j'ai reçu les deux, moi. Ah, mais... Ah. Bah, au pire, donnez-moi, ma chérie. Donc, bon, le rouge, c'est pour qui? Merci beaucoup, hein, c'est très gentil. Hein. Bah, aucun problème. Félicitations encore. Merci. Le rouge, c'était pour toi, mon cœur? Oui. Eh bien, ça en fait du monde, ça en fait du monde. Oui, ça, c'est le cas de les dire que ça en fait du monde. Merci, ma chérie. C'est vrai que sur le coup, il y a du monde quand même. Heureusement qu'on a pris cet endroit, ma chérie, parce que sinon... Oh, le monde qu'il y a, t'as vu, ma chérie? Ouais. Oh, de Dieu, il y a du monde, quoi. Il y a presque toute la ville, quoi. En plus, le mariage va passer au journal, quoi. Ah, ouais. C'est hallucinant, quoi. Bah, sur le coup, tu veux qu'on ait les invités un peu, ils ont changé la musique, et sur le coup, il n'y aura plus de problème, quoi. Il n'y a pas de soucis. Ma chérie. Ouais, ouais, il n'y a pas de soucis. S'il faut, moi je mets du no copyright. Hein. La piscine est parfaite, messieurs. Ouais, ce serait pas mal. C'est pour sa GoPro. Comme ouais, ça. C'est pour ma GoPro, pour pas que. No copyright, maman, c'est vraiment bon. Tant qu'on elle est bonne. Ah, ma chérie. Oui, oui. Elle est bonne, non? Ouais. Vous m'entendez quand je parle? Oui, oui, on t'entend. Ah, ok, d'accord. D'accord. Oui, oui. Je croyais que j'avais un problème à la gorge. No copyright, ma chérie, tu sais, pour ta GoPro. Ouais, ouais, il n'y a pas de soucis. Souvenir de ton mariage alors. Vas-y, ouais, tu la caches où ta caméra là? Parce que. Ah ah! C'est ça? Ouais. Oh putain. Tu vas pas dans l'eau, hein? Non, autrement, bah non. Un peu froissé, hein. Bah après, ça va, la caméra, elle est waterproof, tu vois. Elle résiste à l'eau. Elle waterproof, ma chérie. Ouais. On dit waterproof, pas waterproof. Ah, oh, c'est bon! Je t'embête. Ouais, il va falloir qu'on supporte ça pendant 70 ans. Jusqu'à quand? Ça va être long, hein? J'ai 26 ans. Ouais, ok. Bah quoi, ça fera 90 ans, ça va, on aura bien. Ouais, j'ai un imprévu, moi je vais devoir y aller les mariés. Bah merci. Y a pas de soucis, merci. Venu, ça nous a fait plaisir, merci. Vas-y, ciao. Beau gosse les mariés. Bonne soirée à vous et merci d'être bonne d'être soirée. Venu, en tout cas. En tout cas, ça fait plaisir. Aller. Ouais. Il va falloir qu'on passe à voir le gouverneur. Tout ouais. À l'heure, il faut signer le contrat. Ouais. Bah moi, je l'ai déjà signé, le mien. Ouais. Bah Jawad, t'es pas sur le serve. Hein. On y aille. Ouais, si tu veux. On va dire bonne soirée à tout le monde. C'est toi qui vois. Hein. Bah vas-y. Ok. Bah ça ferait pas un peu bizarre de partir en plein milieu de la fête? Moyen, regarde, la plupart sont partis. Hein. Ouais. Bon, on leur dit quoi alors? Excusez-nous, on doit y aller. Désolé, on doit y aller. Ah oui, ouais, c'est vrai. Ouais, bon, bah, on attend ici. Ça a pas l'air malade, tu imagines. Ouais, en fait, excusez-nous, on doit y aller, vous avez vu. Non, on attend ici. Non, on attend ici. Bon, on va où en lune de miel, en fait? On passe notre lune de miel bientôt là. Je sais pas. Bah, quand on aura plus les moyens déjà, parce que. On va pas dire qu'on est riche. Quand on aura plus les moyens pour aller à Tahiti, Las Vegas, si tu veux, ou Miami. Ou au pire, en Europe, si tu veux. On peut aller en Europe, on peut aller en Russie, en Thaïlande. Ou alors sur l'autre ville. Ouais, au pire, ouais. Comme ça, on va voir nos amis. Ouais. Ils seront contents, on pourra dire à Jean-Paul et tout, quand c'est marié et tout. Ouais. Ah, il va savoir faire plaisir. Vous avez oui. Pas un bassin avec des carpes koi? Des quoi? Des carpes koi. C'est quoi? Vous savez pas ce que c'est? Non. Non. Ah. C'est quoi?
Attendez, vous voyez pas là, là je prends ma truc, tu vois, voyez. Hop. Ah, en fait, vous voulez payer. D'accord, vous pêchez. D'accord, ok, ok. Non okay. Mais dites-moi, vous êtes aussi musclé parce que vous avez fait de la salle de muscu ou quoi? Comment? Vous êtes aussi musclé parce que vous faites de la salle de muscu? Parce que moi j'ai un peu de muscle, mais j'en ai, mais j'aimerais bien en reprendre encore un peu plus. Quoi. Ah oui, bah la salle de muscu et il y a une bonne maîtrise de soi. Vous savez où est-ce qu'elle est la salle de muscu? Parce que je m'inscris dans l'autre ville et le fait c'est que là c'est depuis quelques semaines que j'ai pas fait de muscu et j'aimerais bien reprendre. Et... normalement. Pourquoi c'était pas aussi baraqué? Si, si, mais ouais, j'aimerais bien continuer à. Après. À faire la muscu, tu vois. Déjà, c'est très j'en fais habituellement. Je sais pas si votre femme elle aime ça, mais les squats, vous pouvez commencer. Oui, mais après, moi j'ai l'habitude de faire la muscu, vous savez, sur un bord de la plage. Sur une bord de plage, vous savez, je fais 15 km en courant, aller-retour, et après, je fais mes muscles. Quoi. D'accord. Je fais toute ma muscu et tout. Quoi. Ouais, je vais jamais faire ça tous les matins, c'est pour entretenir le corps et l'esprit. Quoi. Je vois. Bah, vous avez raison. Bon, on va y aller, hein. Vu que... Tu veux qu'on y aille, ma chérie? Bah oui, on a des préparations à faire. Bah allez, mais nous, monsieur, nous on y va, on doit aller préparer la ligne de miel. Pas enfin, finir de la préparer. En tout cas, ravi pour vous deux. Et... j'en étais sûr qu'on allait se revoir. Mais votre ami avec qui on a eu ses péripéties, il n'est pas là? Non, il a dû y aller, il avait une petite urgence familiale. D'accord, très bien. Bon, en tout cas, félicitations encore une fois. Merci. Mais merci en tout cas, c'est gentil. Bon, allez, bonne soirée. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Merci. Bonne soirée. Soirée. Bonne soirée à vous, messieurs. Bonne soirée. On va aller finir de préparer une demi-heure. Et vous faites un petit quelque chose après? Je sais pas. On va commencer à préparer une demi-heure. Et quand on a un peu plus les moyens, on pourrait y aller. Parce qu'on a encore. Ah, d'avant, trop les moyens, alors. Vous avez fait un pont commun pour ça? Hein? Non, mais pour le moment, enfin, non. On n'a pas eu le temps de préparer le mariage en deux, trois mouvements, puisqu'il y a une personne qui quittait la ville, on ne voulait pas faire le mariage avant. Attendez, vous quittez pas la ville, vous? Non, on ne quitte pas la ville, non. Attendez, vous avez un rib? Bah oui, attendez. Oui. Tenez, hein. Ce sera pour la lune de miel, vous êtes monsieur? Moi aussi, monsieur Ferreira, tenez. Vous savez, vous n'êtes pas obligé. Hein. Voilà pour vous. Ça vous servira pour votre ligne de miel. Merci, c'est gentil en tout cas. Merci beaucoup. Bah, sur le coup, merci encore vous. Et on vous souhaite une bonne soirée. Merci d'être venu. En tout cas, bonne soirée. Bah, avec plaisir, oui. J'étais un peu à la bourre, désolé. Hein. Non, il n'y a pas de soucis. Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Bon, vous souhaitez une bonne continuation et tous les vœux de bonheur. C'est ça, on se reverra dans tous les cas. On se reverra. Oui, je serai au garage et tout alors. Bien sûr. On se reverra. Mais merci encore. Bonne soirée. Bonne soirée. Tiens, ma chérie. Attends, faut dire bonne soirée aussi en bas. Où ça? À la plage. Ah, y en a à la plage? Bah oui. Ah, on peut leur faire un petit coucou. Bon, alors, nous après on va y aller. Vous profitez du sable chaud? Ouais. Félicitations à la mariée. Merci. Ah, c'est beau, hein. Ben, sur le coup, ben, nous, on va y aller parce qu'on doit préparer la lune de miel. Hein. On vous remercie d'être passé, en tout cas. La lune de miel ou la lune noce? Monsieur, excusez-moi. Oui, un peu les deux, quoi. Un peu les deux. Monsieur? Oui. Est-ce que je peux vous offrir un boudin blanc pour vous féliciter? Oui, il n'y a pas de problème, c'est gentil, okay. En tout cas. Merci. Hein. Oui, on va voir, où est-ce qu'on peut partir en lune de miel parce qu'on n'avait pas encore trop d'idées. Salut, Lune. Je pense que la meilleure destination, c'est dans votre cœur. Ah oui, parce qu'on n'a pas trop les moyens, alors on va voir à peu près où on peut partir. Merci, c'est gentil. Merci. Mais merci en tout cas d'être passé, ça nous a fait très plaisir en tout cas. Et pourquoi vous lui donnez un bouton blanc? Je sais pas, mais ça fait plaisir, c'est quand même un cadeau, quoi. C'est... Oui. Ah, monsieur. C'est un bon bouton blanc qui vient tout droit d'une ferme à Saint-Dichard. Ah. Bon, en tout cas, merci à vous et on vous souhaite une bonne soirée. Bonne fin de soirée. Bah, bonne fin de soirée à vous. Merci. Vous pouvez continuer à profiter de la plage, vous inquiétez pas. Allez vous baigner, l'eau elle est bonne. Hein. Ah, mais je sais pas nager alors. Ah. J'ai tendance à me noyer chaque fois que je vais me baigner. Ah, ça c'est ballot ça. Bon, on y va, ma chérie. Ouais.
Bon, allez. Bonne soirée à tout bonne le monde. Soirée. Bonne soirée. Je souhaite bien manger le boudin blanc. Oui, vous inquiétez pas, on va le manger. Profitez du temps avec. Profitez bien du boudin. Oh non, on remonte aussi. Bon, ben allez, j'ai préparé la porche. Je suis la plus heureuse. Moi aussi, je suis heureux. Ça nous a fait plaisir le départ de le marier. Putain. T'es ma femme, hein, depuis le temps. Faites ouais. Gaffe, vous avez les larmes, monsieur. Oh, merci, c'est gentil. Il manque plus que le mouchoir. J'en ai, mais ils sont déjà usés. Hein. Deux. Bah, les mouchoirs. Hein. Ah, oui, ouais, je suis seulement en doute. Ouais. Je suis en doute. Les gens ont dû faire un stock de mouchoirs, je crois. Ça vous dérange si je viens avec vous? Non, il n'y a pas de problème. Et si je passe une demi-heure avec vous? Ouais, là par contre, je suis un peu quand même. que vous nous suivez sur la route, ouais, mais après le reste, et ma femme. Mais elle est derrière. Là, je suis là. Là, une demi-heure, hein, on va la garder à deux, ça ira. Oh, ça, on peut partager quand même. Ouais, non, non, ça, non. Ça, je partage pas personnellement, je suis pas après, trop après, demande à votre femme aussi, hein, peut-être. Ouais, non, non, mais ça va, je suis pas trop content là-dessus. Ça y est, merci quand même. On est des clubs d'échangistes pas loin d'ici. Ouais, non, mais c'est bon. Ouais, tant pis. Ouais, bonne journée. Hein. Merci à vous aussi. Bonne journée. Nathan ? Nathan ? Nathan ? Je suis marié ! Nathan ? Oui ? Quelqu'un t'appelle en radio ? Ah ! Attends, on va se garer. Nathan, oui. Regarde sur ma GoPro en urgence. Il y a quelqu'un qui provoque Jojo. J'arrive. Qui est pas là. C'est qui? Ah bah devine. Et il y a Amélie qui te pose une question. Est-ce que si t'es agent de sécu du coup? Oui, je suis agent de sécu, oui. Enfin, plutôt garde du corps. J'ai été embauché en tant que garde du corps. Alors, c'est qui cherche? Je vois pas qui c'est qui cherche en fait là. Tu vois pas? Non. Attends, je vais te dire ça. Si. En dessous du message de Multigamer, après le mariage, les enfants. The Legend, comment tu vas, mon poteau? Ah, ça va nickel. T'as vu ou pas? Nathan ? Nathan ? Ah putain, ma chérie ? Oui ? En tout cas, le monsieur nous a filé 75 000 dollars pour le truc. 75 000 ? Oui. Attends que je regarde bien, que tu dises pas de bêtises. Ouais, et pourquoi à toi et pas à moi ? Ben, je vais te filer la moitié. Je vais te filer la moitié, ma chérie. Ah bah oui, heureusement. T'inquiète pas. Bah oui, heureusement, on est mariés, c'est normal. Ouais, mais la moitié de 75 000 ? Bah oui. Ah, mais c'est combien ? La moitié de 75 000 ? Je sais pas, faut regarder, mais dans tous les cas, tout ce qui est à moi est à toi, ma chérie. Ça change pas. Hein. Ouais, je sais, mais bon, vaut mieux aussi. C'est moi, je vais pas te cacher que. De quoi ? Bah faut. Ah ! Quoi, on a pas pris de voiture? Non, mais je suis du fait que j'ai eu peur que tu touches.
Mais non, j'ai pas touché, non, t'inquiète. Tu disais, oui, quoi? Oui, pour au moins que je sois pas à découvert, tu vois, comme ça. Ah, non, mais t'inquiète pas, t'auras la moitié, moi je serai bien sûr, on est mariés. Mm. Là-dessus, y'a pas de problème. Les cadeaux de mariage, on s'y a, toi, quand même. Ah. Non, non, là-dessus. La maison, ça sera à nous deux, tout à nous deux, comme la voiture. Hein. Là, il ne restera plus qu'à nous trouver un petit nid douillet. Il commence à m'énerver, les citoyens là, débouchés devant, ça me tape sur les nerfs. Mais tu vas où là? Bah, à la banque. Ah. Il a fait un virement, je vais pas sortir 75 000 de ma poche. Faut que je te fasse un virement. Ah, de Dieu, qu'est-ce que t'es belle. Une vraie beauté. Ouais. Alors, attends, je vais regarder exactement. Hop. Non, non, c'est pas 45 000. Hein. Non, non, non. Hop, ça fait 37 500, ma chérie. 37 500 ? Putain, c'est énorme. Putain, 37 500 ! C'est énorme. Oui, ma chérie, ah, c'est énorme, oui. Tiens, je te les donne. Je pense à les mettre sur ton... Voilà. Je te les ai donné, ma chérie. Merci. Je pense à les mettre en banque. Bah voilà. Maintenant, on est embauché, on a de l'argent, on a une belle voiture, et en plus, on est marié. On est heureux. Il ne reste plus que l'enfant plus tard dans quelques mois. Enfin, peut-être un ou deux ans. Genre... Putain, le compte en banque qui a monté direct. Ah ouais, hein. Moi aussi. Bon, hein. Allez, on se change et on va voir le gouverneur. Oui, oui, ma chérie, allez, on y va. Si tu veux. Tu veux conduire la Porsche? Ouais. Allez, vas-y. Je te le Non, je préfère que tu conduis là pour l'instant, le temps que après je me change. D'accord, ok. C'est avec la robe et les talons. Ah, t'imagines, moi, la galère pour conduire avec les grosses chaussons, là, aussi longues, 2 mètres de long. C'est super compliqué, quoi. Alors, tu me trouves comment? Sincèrement, y a pas de mots pour le décrire, quoi. C'est... c'est trop mignon. Ah, c'est... Là, j'aurais envie de t'épouser une deuxième fois. Oh! Et voilà, ma chérie. Ouh là là, elle va enlever la robe. Je peux me changer avec toi si tu veux. Bah vas-y. Là, j'ai vu un truc très joli là. Par contre, j'aime pas trop le pantalon là pour être agent de sécu. Ouais, je vois. Par contre, il faudrait juste que tu coupes ta radio, mais je t'entends deux fois. Moi, je crois que je vais... Il va pas lui donner un centime MDR Athéna pour 3500... 37 500, je me marie tous les jours. Tu lis pas mes messages, si je lis. Hein? Faut qu'on prévoie une tenue pour emmener au boulot? Bah, il y a les tenues dans les vestiaires. Ah, dans les vestiaires, il y a les... D'accord, ok. Mais attends, c'est je vais regarder un truc. Vas-y, ma chérie, vas-y. Waouh! Oh là, oh putain! Hey, mon cœur! Regarde-moi ces hanches! Oh là! Putain, je vais tomber par terre hein, si je continue! Oh là là! Je vais tourner la tête, parce que je crois que je vais m'évanouir, je crois, à force! Putain. Ah ouais, je sais, j'ai ma femme, c'est...
C'est un avion de chasse, moi je vous le dis. Hein. Ah bah voilà. C'est mieux. Ah, t'es aussi belle comme ça, ma chérie. Et dès que t'es prête, ma femme, on y va. Ça fait bizarre de dire ma femme. C'est bon. On y va ? Oui. Allez, on va voir le gouverneur. C'est parti. Tseko, salut. Vas-y, je te laisse conduire. Bien, chef. David, de faire une rayure. Ça serait ballot. Tu t'amuses? Ouais. Elle est bien, hein. What? What? Abelie. Abelie, ben de clair. Aïe. Aïe. Yo, 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 yo. C'est pas moi. C'est pas moi. On peut y aller. Non, attends. Attends-moi. Elle s'en va sans son mari, quoi. C'est bon. Oh, le tête de la Porsche. Putain. C'est la route là, il faut vraiment qu'il la refasse. Hein. Il y a des trous, c'est horrible. Ça, on a accroché le pare-choc, c'est chiant. Ouais. Pauvre Porsche, quoi. On lui a refait le pare-choc. Quoi. Tu peux fermer la voiture? Ouais. Attends, t'as pas fermé ta portière? Bah, ça va être dur, tu l'as bloqué, elle est bloquée contre un truc. Mais on non. Ferme la voiture, on va aller sur attends. La séance, ça ira. Pousse-toi. Non, mais on peut. Ça, c'est bon, t'as réussi. Voilà. Allez, on y va. Allez, hop. Honneur au marié. Enfin, la mariée, on va dire. Tin, 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 tin. Comme ça, moi, je reste derrière. Allons, enfants de la patrie. Le jour de joie est hein, arrivé. Désolé, j'ai encore l'hymne internationale française. Tu peux avancer, hein, je suis bien derrière. Hein. Il n'y a pas de soucis, hein. Je regarde ma femme, hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Papa, là, tu crois qu'il est encore en ville? Ouais, je sais pas, on verra bien. Il y en a encore pas mal, hein, sur le serveur, hein. Ah! Par contre, là... Nathan? Oui. Là par contre, faut qu'on aille dans besoin d'aide, il y a un souci technique. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, j'ai eu un bug, je me suis TP, tu sais, à l'intérieur, sauf que ça m'a tombé dans le vide. Bah attends, bah... Mais dans le vide, quoi. Là, je suis... regarde... besoin d'aide. Excusez-moi les gars, c'était pas prévu. C'était pas prévu. C'est pas RP. C'est pas RP quoi, frère. Là, c'est pas ma faute. Hein. Ça vient d'un bug du serve. Là, par contre, j'y suis pour rien du tout. Ouais. Excuse me.
excuse me. J'appelle l'OVNI. On m'appelle l'OVNI. Je suis vraiment désolée, là, c'était pas prévu, hein. Le The Dead. Tu es dead, Glo. Hey, moi, je suis pas Glo. Et en plus, on dit Gloss quand c'est une fille. Oh non, Nathan, fais des cachotteries et bim, un petit Lorenzo Ferreira est né. Ah bah, si tu veux faire notre fils, pourquoi pas, hein, tu te fais whitelist et hop, hein, c'est parti, boum boum boum, tu t'appelles Lorenzo Ferreira et voilà quoi. Je me suis pris un vent, j'ai dit ça va, mais personne ne m'a répondu par... Oh, désolé pour... désolé, Tseko, et ça va nickel et toi. Tourner la lumière du bout de la terre ferme en fait. Si ça va, ma biche. Oh, ma biche. Oh. Demande à Nathan de quoi. Faut que je demande quoi. Fait beau chez vous? Ouais, il fait chaud. Il fait beau. Pour un flirt avec Tom. Help me. The problemos. Là, je peux pas dire no problemo, c'est the problemo.
Je serai jeune alors. Nathan Ferreira, c'est mon papa. Lol. Oui, mon fils. Oh putain. C'est ma maman. Oh, t'es mignon, Jawed. Oui, fiston. Oui, mon fiston. la mariage. On va faire plus simple. On va faire astuce B. Bon, bah du coup, désolé de m'incruster dans votre vie à l'improviste. Il n'y a pas de souci, Jawed. Avec toi. Et je suis vraiment dans le vide, en fait. C'est ça le pire. Et les admins. Ouais, bah... Elle va à l'hôpital, comme tout le monde. Bah oui, mais le souci, c'est que je suis dans le vide, donc ça change rien du tout, quoi. Ah, on m'a revive ? Ouais. Je reste quand même dans le vide. Je dis ça... ouais, non. J'ai vraiment bugué. Ouais, Nathan. Ouais. Y a un problème, hein? C'est qui m'a revive? Un admin. Eh bah oui, mais il y a un souci, hein? C'est que je suis quand même dans le vide. Quoi? Bah, je suis encore dans le vide, c'est... Ah merde. Je suis pas dans le coma, mais je suis dans le vide, c'est... Je suis dans un bug, en fait, dans un glitch. Ah merde. Ah bah oui, donc... Vous avez pas quitté le vocal, alors? Mais j'ai pas quitté le vocal! Nathan, j'ai pas quitté, hein? Ah putain, je suis plus dans besoin d'aide. What? Ben voilà. Oui, t'as enlevé parce que sur le coup le problème était réglé. Mais pourquoi je les entendais pas alors? Parce que t'es en coupé. Mais pourquoi tu me l'as pas dit? Putain, mais oui, mais moi j'ai toujours le même souci, quoi. Ben je leur ai mis un message sur le truc.
Rez, ça veut dire quoi, Rez? What? On va faire plus simple. Ah ouais, mais non. Ouais, ça marche pas, chef. Il a tapé le médecin. Oh non. C'est pas possible. C'est pas RP, frère. Faudrait bien qu'on me despawn, hein, parce que là... Tourner dans le vide, vide, vide. Tourner dans le vide, vide, vide. Attends, je peux pas essayer de voir si... Ah bah. Ah, ok. What? Nathan? J'ai réussi à descendre du bug. T'es où? Mais je suis encore coma. Mais le dans le générateur, t'es encore coma. Mais s'il te plaît, regarde. Je suis retombée. En fait, mon personnage est retombé. En fait, j'ai marché, tu sais, pour voir si je pouvais pas avoir le point, tu vois, du TP. Et au final, le truc, c'est que... Tu sais, le TP, le point de, dans l'ascenseur, tu vois. Je me suis dit peut-être que j'étais à l'intérieur, mais il n'y avait pas les graphiques, tu vois. Et au final, je commence à avancer, à courir, tu vois. Et tout d'un coup, boum. Mon personnage est tombé dans le... Voilà, dead, en gros. Attends, le cheater, c'est quoi? C'est un modo, c'est un quoi? Un admin. Ta-ta-ta-ta. Yo, t'es bugué encore? Ouais, toujours. Ah, d'accord. Je suis morte, là. Oui, j'ai compris. Alors, tu fais slash bring 5. Slash bring espace 5. Et oui, t'es parfait à côté de toi. Oui, deux secondes. Tac. Il y a Philippe pour un remboursement. Je sais pas si quelqu'un en dit. Bah, ouais, mais je la vois pas. Vas-y, je fais. Je la vois pas. Qui? Je suis au-dessus de toi. T'es où? Au-dessus de toi. Eh, pourquoi on m'a enlevé? Eh, pourquoi ça me fait... Ouais, Ron. Ouais. T'es où? Je suis au-dessus de toi. J'étais au-dessus de toi. De moi? Mais qu'est-ce que tu fais au-dessus de moi? Bah, je t'ai dit, j'étais sur un bug. En fait, je suis rentrée dans le gouvernement, sauf que ça m'a mis en dessous de la map, entre guillemets. D'accord. Et dans le coup, bah, j'étais dead. Et dans le coup, bon, bah, Nathan et moi, on était dans besoin d'aide. Et on m'a revive, mais j'étais dans un glitch.
Et dans le coup, bah, moi, je pensais que c'était juste un bug de visuel, tu vois, de texture. Dans le coup, je me suis dit, bon, allez, peut-être que je vais rattraper le point, tu sais, au niveau de l'ascenseur, tu vois, pour ressortir. Je pensais que j'étais à l'intérieur quand même, tu vois. Et au final, quand j'ai couru, j'ai avancé, et bah, c'est là où je suis tombée encore dans le coma parce que si tu veux, je suis tombée dans le vide. Complètement. Toujours au-dessus de ma tête. Ouais, là, je suis au-dessus de toi, là. Exactement. Eh ben, je sais pas, t'as pas le, au pire le slash revive avec l'idée. Si, c'est 5. Oui. Attends. En fait, ça me revive moi. Bah non, si tu mets l'idée à côté, normalement non. Ouais, mais j'ai mis 5 et ça me fait un revive à moi. What? Non. What the fuck, cette TP aussi en fait. Ouais, j'ai vraiment eu un gros bug là. Je suis tombé dans un glitch en fait, Carlos. Bon, on va faire un truc. Et dans le coup, bah après, je... Et comme j'ai dit à Aaron, tu vois, je pensais que c'était juste un bug visuel, tu vois. Je pensais que j'étais à l'intérieur du gouvernement. Et dans le coup, j'ai couru pour essayer de trouver le point, tu sais, du TP, là, tu sais, de l'ascenseur, là. Et en fait, je suis retombée, mais dans le vide. Et ça m'a TP sur la route, mais morte, quoi. Ah si, je suis au-dessus de toi, en fait. T'es au-dessus de moi, là ? Oui, j'étais au-dessus de toi. Bon, bah là, je te vois plus, mais tout à l'heure, t'étais au-dessus de moi. Bah, au-dessus, je suis en l'air en fait. T'es toujours en l'air. Ah bah, si tu veux, je t'appelle en privé et je te montre. Hein. Non, mais je te crois. Voilà, là t'es au-dessus. T'es au-dessus de moi. T'es en dessous de moi. Moi je suis au-dessus, moi. Nice. Ah. J'ai respawn à l'hôpital. C'est bon, respawn à l'hôpital ? Ouais. De quoi ? C'est bon, t'as tes items ou pas ? Attends, je vais regarder. Ouais, c'est bon, j'ai tout. J'ai l'argent, j'ai tout. C'est bon. Bah, merci les gars. Tu peux aller voir Philippe Anderson ? Parce qu'en fait, il a perdu des armes qui étaient dans un coffre et tout. Enfin, c'est trop chelou son truc. Je sais pas si c'est lui qui m'a sauvé. Bon, dans le coup, je vous laisse les gars. La bille, ouais, ça marche. Merci les gars. Dommage, on a pas pu être là au mariage, mais... Ouais, désolé. Il fallait qu'on négocie des trucs. Non, mais t'inquiète, y a pas de souci. Bon, bah, je vous laisse, ça, je suis en stream, là, en plus. C'était pas prévu. Bon, allez, à plus tard. Bon, on reprend. Excuse me. Ouais, oui, mon cœur, tu peux venir me chercher à l'hôpital, Lanco. Oui, s'il te plaît. Oui, j'arrive. Ok, y a pas de souci. Et qu'est-ce qu'il y a ? Par contre, je t'entends deux fois. Tu m'entends deux fois ? Ah bah oui, parce que t'as rejoint la vocale. Oui. Bon, par contre, moi, je pense qu'on la compte pas, quoi, les morts. Oui, hein. Bah oui, t'as changé, il est pas là, le gouverneur. Ah, en fait, je suis morte pour rien. Ouais, en gros, t'as tout compris. Ouais, et en fait, j'ai perdu un peu d'argent pour rien, aussi. Ouais, en fait, t'as tout compris aussi. C'était drôle, quand même, sinon. Oui, non, moi, ça me fait pas trop rigoler, quoi. Oh, arrête. J'ai perdu quand même un peu d'argent, et ça me saoule. Oh, t'as pas dû perdre beaucoup, aussi. Franchement, j'en sais rien. T'avais qu'à leur demander pour ça, pour être les rendre. Non, bah oui, mais non.
pas pour quelques centimes près, quoi. Ah merde, j'ai plus d'essence. J'ai le droit d'aller faire le plein d'apport ou pas? On va se retrouver en panne d'essence. Bon, on poussera la voiture s'il n'y a plus d'essence. Bah, t'appelleras un mécano. Eh non, on poussera la voiture jusqu'à la station essence. Je sais pas si tu peux pousser ta voiture. Si, ça a été rajouté. Ah bon? Oui. Faudrait qu'on teste. What? Mais non, mais putain! Qu'est-ce que t'as foutu? Je retrouve au gouvernement. T'es pas sérieux? Pourquoi tu te retrouves au gouverne? Mais qu'est-ce que t'as foutu? C'est rien, ça m'a ouvert le gouvernement, je me suis retrouvé à l'hôpital, au gouvernement. Et ta voiture? Ben j'arrive. Monte pas dedans, essaie d'éviter de gaspiller l'essence. Ah non, mais je la vois plus du tout, ta voiture en fait. Quoi? Bah elle a des spawns en même temps que toi. Bah c'est pas possible. Si. Je voulais monter et tout d'un coup, poum, plus rien. Regarde sur ma GoPro, tu verras. Peut-être que moi je vais la voir. Non, j'ai pas de chance ce soir. Et oui, Nathan, dans le coup, t'as vu ce que je t'ai... le message que je t'avais dit? Attends, je suis en train de... Non, j'ai pas vu. Bah, que je t'avais parlé, là, sur l'autoroute. Quand on partait de l'événement. Non, tu te rappelles pas? Que je t'ai dit que ça parlait mal de à Jojo. Non, tu te rappelles pas? Ouais, non, il se rappelle pas. C'est un poisson rouge, mon homme. Salut Quentin. Enfin, mon homme, dans le RP, je précise. On fasse pas de la jalousie ou quoi que ce soit. Ça va et toi? Oui, bof. Ah. Bonne chance à vous. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon, j'ai vendu la Porsche, t'as vu, c'est la nouvelle voiture que j'ai achetée. Et la Porsche? Ah, je l'ai vendue, hein. C'est la nouvelle voiture, ça. T'es pas sérieux? Bah si. Ah, nouvelle voiture, elle est belle, hein. Ah, c'est une... Ok, bah, je te fais la gueule. Une Porlang. Non, je rigole. Non, je rigole, en fait, c'est pas la bonne voiture, en fait, c'est juste que je l'ai volée, en fait. Mais, Oui, j'ai fait le mariage. Rue. Quoi? Ah, chérie, je l'ai volée dans la rue, et pas de choix, je t'appâte. Ah ouais? Bah, tu veux que je revienne? Comment, il n'y a pas de taxi en ville? Ouais. On y est presque. Hein. Et comment ça se fait, t'avais un médecin dans ta voiture, toi? Mais parce que sur le coup, il se retrouve au gouvernement, lui aussi. Il était en opération dans le désert, et sur le coup, bah, je l'ai amené à l'hôpital pour qu'il puisse prendre une ambulance. Et comment ça se fait qu'il s'est retrouvé au gouvernement, lui? Je sais pas, c'est pas mal, faut poser la question. Moi, j'y suis, je sais pas comment j'ai atterri là-bas, alors. Comment tu crois ses bras? Mon cœur? Mon cœur? C'est normal qu'il n'y a pas de roue? Si, si, elles y sont, c'est juste toi, vas-y, monte.
Bah non, j'ai, ça fonctionne pas. Je sais plus. Tu peux te dépêcher à plus d'essence? Ah si, il y a des... On va tomber un rat d'essence. Il y a des pneus. Bah c'est pas grave, comme ça on la pousse. Ah, tu veux vraiment la pousser? Ouais. Ok, si tu veux. On va la gaspiller l'essence. What? Comment le plat a fait pour être remis? Quoi? Il restait 5 litres d'essence et là maintenant on a le plat. What? Bon, c'est pas grave. Oh, je voulais la pousser. Ouais, mais bon. Et comment tu sais qu'on peut la pousser? Bah parce que c'est logique. Je sais pas, une voiture quand t'es en panne, tu peux la pousser. Ça paraît logique, ma chérie. Ah oui, c'est vrai. Enfin, je sais pas, c'est... Quoique, il y a des voitures, tu peux pas la pousser, hein, tellement qu'elle est lourde. Hein. Oui, bah là, c'est une Porsche. Hein. Ça fait pas 3 tonnes 5, comme le Titan que j'avais avant. Mais... Bon, bah, sur le coup, on fait quoi? On va dedans? C'est toi qui vois. T'as des nouvelles de Calvin? Ouais, en fait, son frère est mort. T'es pas sérieux? Bah, j'ai une tête à rire. Je sais pas où il est. Et tu m'annonces ça comme ça, toi? Bah, depuis tout à l'heure, excuse-moi, il est un tout petit peu occupé, alors faudrait le retrouver. Non, mais tu m'annonces comme ça, ouais, d'ailleurs, son frère est mort. Bah, je te dis comment, je vais pas te faire une pancarte, excuse-moi, ma chérie, son frère est mort, je te dis comment. Comment tu fais pour annoncer à une personne que son ami a perdu son frère? Il va peut-être avoir la bibliothèque, hein, peut-être qu'il y a un guide de comment annoncer à quelqu'un qu'il est mort, quoi. Bah quoi, je sais pas, j'ai l'impression que pour toi, c'est bon, nanana... C'est bon, on est mariés, on se prend déjà la tête, on est pas mal. Ouais. Bon, sur le coup, il est où? Parce que... Non, c'est pas le quartier de Blue Street. C'est un site d'un côté, si, mais... Ouais, là, Quentin, dedans, retourne en arrière, ou alors tu regarderas la rediff. Je vais essayer d'appeler Calvin. Dis pas qu'il va se suicider aussi, lui. J'appelle Calvin et je te dis ma chérie. Bah, faudra que t'attendes que je finisse le live, Quentin, pour la rediff. Avec toi. Avec toi. Un petit tour entre toi et moi. Attends, ma chérie, peut-être qu'ils vont pouvoir nous renseigner. Qui? Bonjour. Vous allez bien? Ouais, excusez-moi, attendez, deux secondes, je descends, ce sera peut-être plus poli. Je voulais pas rentrer dans le quartier, je voulais savoir, vous savez pas où est Calvin par hasard? Qui ça? Calvin, je sais pas si vous connaissez. Non. De toute façon, il faut pas rentrer, surtout pas à nous, nous a fait. Oui, non, mais c'est pour ça que je veux pas rentrer, mais il doit être là-bas. Vous pouvez pas essayer d'y aller, enfin, si vous pouvez rentrer et demander si Calvin est là ou pas? Ah non, nous on a plus le droit de rentrer, là, si on rentre, on se fait casser en deux. Là. Ah merde, comment on va faire? Parce que j'ai pas envie de... Attends-les ici, non, normalement, si tu les attends ici, ils comprennent normalement. Ouais, d'accord, ok. Pourquoi vous êtes rentrés? C'est vous le marié, du coup, mais j'étais avec toi tout à l'heure, ouais. On a changé là, mais on avait... Ouais, ouais. Mais pourquoi vous êtes rentrés dedans, vous, dans le quartier? C'est lui qui nous a fait rentrer. Ouais, je crois, je dois comprendre pourquoi vous a fait rentrer, ok. Ok, ben merci, c'est gentil. Vas-y, pas de soucis. Bonne soirée. Merci à vous aussi. Putain, je m'inquiète là. J'ai envoyé un message. Du coup, on était au bout de la rue, s'il pouvait venir. À la Porsche, elle est pas très discrète. Hein. Ouais. Attends. Qu'est-ce que tu fais? Je vais l'éloigner un peu. Bah non. Pourquoi? Bah au contraire, il va nous remarquer. Si on est au bord de la route, il nous verra jamais. Attends, au contraire, je vais la garder au bord de la route. Au contraire, pour qu'il nous voie encore plus. Attends, décale-toi un peu, ma chérie. On va se faire
On va se faire quoi, ma chérie? On n'est pas dans le quartier, on est en dehors du quartier, là. Du moment qu'on rentre pas dans le quartier, il n'y a pas de soucis. Il faut juste qu'on rentre pas dans le quartier, c'est tout, tu vois. Ça tire, hein. De quoi ça tire? T'entends pas les coups de feu? Si, si, j'entends. Tu veux vraiment rester? Bah ouais. On est en dehors du quartier, qu'est-ce qu'on risque? En dehors, ça leur... Oui, on est en dehors du quartier. Hein. Le quartier commence juste là, on a la limite là. Là, on a la limite. Et du moment qu'on rentre dans les maisons, c'est qu'on est dedans. Regarde, le voilà. Il est là, regarde. Ça va? Ouais, on n'est pas rentré dans le quartier parce que ouais, tu nous as dit de pas rentrer, on se qu'on est resté à la limite. Vous avez bien fait, vous avez bien fait. Ça va toi? Non. Tu sais qui c'est qui a fait ça ou quoi? C'est la police. Oui, mais tu sais exactement qui c'est qui. Voilà. C'est pas toute la police en entière, c'est une personne en bien précis. Mais pourquoi ils ont fait ça en fait? Il doit bien se passer quelque chose pour que ça en arrive là. C'est passé quoi? On est vraiment désolé pour toi. Hein, parce que... Désolé pour toi, c'est vrai. On est des amis à Calvin, on est juste venu voir comment il allait, c'est tout. Ah merde! On s'est mis à la limite parce qu'on avait dit qu'on rentrerait pas, vous voyez, par respect. On voulait juste savoir comment il allait. Quoi. Ah, je crois que je vais tomber là! Mais... Bah, désolé pour toi, hein. Si t'as besoin, on est là. Je crois que je le vois en triple man là! Calvin, hein. Si t'as besoin, on est là, tu le sais. Hein. Putain, y'a Randall qui est mort, les gars. Je suis vraiment désolé pour toi, quoi. Putain, ça fait chiant que j'ai rencontré tout à l'heure, il était super gentil. Ah ouais, vous voulez un whisky ou pas? Putain, on boit pour. Non, ça va, pour nous, ça ira. On boit pour la peine, là. Pour nous, ça va. Mais prends soin de toi, Calvin. Moi, tu t'envoies les couilles. Tant que je suis en vie, je prends soin de lui. Ouais. Daisy, du coup, c'est mort. Hein. Je me suis embrouillé avec encore plus. Bah, mais Daisy doit être dans tous ses états, la pauvre. Sa mère, Daisy. Allez où, Daisy? Attends, je vais la tuer, Daisy. Ta sœur, elle doit être dans tous ses états, non? Ferme ta gueule, là. Tu commences à casser les couilles. Elle est pas dans tous ses états, Daisy, vu qu'elle connaissait quand même ton frère, je pense. Mais... Non, enfin, c'est normal, oui. Excuse-moi, mais je suis perdu. Non, pourquoi tu parles comme ça, Calvin, wesh? Frérot, tu vas pas tuer Daisy, t'es sérieux, quoi, sans déconner. C'est pas un whisky qui va te faire péter les plans comme ça. J'en ai pas bu qu'un, j'ai bu deux rhum et un whisky, wesh. Mais vas-y, t'abuses trop. Yo, le coma, il va arriver, man. Ça rend l'or. Ouais, mais essayez de savoir, essayez de savoir pourquoi ils ont fait ça, quand même. Mademoiselle, vous appelez pas moi? Comment, monsieur? C'est quoi, votre... Ah, bah ouais, mais bon. Madame Smet. Essayez de fouiller un peu, pour comprendre pourquoi, parce que d'un côté, peut-être que ça t'aidera. Mon prénom, Laura. Ah, c'est bon, hey, tiens, des oui, c'est moi. Tiens, la fin de la bouteille. Tiens, man. Zied, on dirait toi une mariée, ça. T'es un homme. Hey, Devon. Tiens, man. Bois le fond du whisky. Bois le fond du whisky. Sois respectueux, Devon. Juste sois respectueux, s'il te plaît, négro. Parce que je connais pas. Je suis pas dans mon état, t'as vu. Ouais, je sais bien, négro, mais sois respectueux, tu vois. C'est la première fois qu'ils viennent ici. Ça va, ok, man. Bah, ça va, j'ai proposé un whisky. C'est par respect, ils ont pas accepté, quoi. Non, mais en fait, c'est.
Yo, souhaitez qui? Et c'est pas Xena, hein. Je vois pas qui c'est. Hein. C'est pour ça que je t'ai pas répondu, hein, mon grand. Oui, ma chérie. Ouais, c'est moi. C'est pour te dire que là, je suis parti du coin avec la voiture. Ceux-là, j'en ai marre. Là. Franchement, comment ils me respectent non, pas mais c'est non, ils sont bourrés. Faut pas que tu l'envoies. C'est des gens bourrés. Après, tu sais très bien que voilà, Calvin est toujours là pour nous. Mais là, c'est juste parce qu'ils sont bourrés. Voilà, ils sont pas bien. Ils sont tous touchés, quoi. Mais après, ouais, c'est vrai que. Tu vois, Calvin, il a dit un truc. Il l'a dit en plus, un peu de respect. Donc, il faut pas que tu le prennes mal. Ouais, bah, que je le prenne mal, t'es bien gentil, toi. Hein. Je comprends, ma chérie, je comprends. Mais fais pas attention. Ils sont bourrés, ils sont tristes. Ils ont rien de perdre de quelqu'un. Fais pas attention. Tu crois que moi, je suis pas triste quand même pour d'accord. Calvin? Hein. Fais pas attention, tu crois que je suis pas triste pour Calvin et c'est pas pour autant que. Moi, je suis en train de discuter avec Calvin et après, tout à l'heure, dans tout le cas, il a dit qu'il allait venir te voir pour discuter un peu avec toi. Non, mais mon cœur, moi aussi je suis triste pour Calvin. Ah oui, mais non, c'est pas mais pour autant que tu dois pas être respectueux envers une femme, quoi. Je dis pas le contraire, mais voilà, ils sont bourrés et Calvin les a remis à sa place après que tu sois parti, il leur a fait comprendre. Il leur a dit du respect, sérieusement, c'est abusé. Quoi. Enfin, voilà, c'est des potes et tout, il leur a expliqué, t'inquiète. Il leur a expliqué. Mais t'as, dans tous les cas, reste pas loin parce que Calvin, après, va vouloir te parler. Alors. Ah bah, je suis loin. Je lui ai dit que t'étais triste et tout. Et je suis loin. D'accord, mais il t'enverra un message. Ok. Ouais. Je t'ai dit à tout à l'heure. Ouais. Et toi, tu vas faire comment, toi? T'as plus de voiture. Il va falloir que tu viennes me chercher. Je vais pas rentrer à pied, quoi. Oh putain. Non mais ça va quoi. Tu prends ma voiture en plus pour que je rentre. Et ta voiture en haut. N'abuse pas quand même. Bah c'est notre voiture mais tu prends la voiture. Tu ouais. Prends la voiture, c'est ce que je dis. Tu prends la voiture et tu t'en vas quoi. Mais bon. Bon, je te laisse. Il y a Calvin. Tu vas me chercher après. Ouais bah je viens te chercher quand. Bah je t'enverrai un message ma chérie. De toute façon okay. Calvin va vouloir parler avant. Alors. Je t'aime. Ouais moi aussi. Oui, soit t'es qui, sauf que là, je m'appelle Athéna. C'est pour ça que j'ai tourné une page. Oui, allô? Laura? Ouais. C'est Calvin? Ouais. Je te dérange? Ouais, un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Non, bah vas-y, là, je te laisse. Non, bah non, dis. Bah, t'es où, là? Je suis sur un parking. Bah, je voulais m'excuser à la place de mes frères, mais je voulais m'excuser. Ouais. C'est que c'est pas moi qui a parlé, mais ils sont éclatés, ils ont 2 grammes dans chaque œil là. Ils font n'importe quoi. Ouais, mais bon, c'est pas une raison. Je sais bien. Nous, on n'est pas rentrés dans votre quartier, on est là, poli, gentil, on est là, on n'est pas là pour foutre la merde et Laura, ça me respecte pas. Laura, tout ça parce que je suis une meuf, donc. Je t'ai dit quoi sur les féministes, Laura? Ouais, non, mais je sais, mais bon, c'est pas une raison.
Là, on n'était pas dans votre quartier, donc voilà, il y a un minimum de respect quand même. Si, vous êtes juste à la frontière du quartier, là. Oui, frontière, oui, mais on n'est pas dans le quartier. Je sais bien, mais même en dehors du quartier, il y en a qui respectent rien. Il y a certains familles, c'est les bouffons, et voilà. Viens, on se voit, on en discute à vive voix, c'est mieux, parce que... Faut que je te retrouve où ? Je t'envoie une position dans une minute, c'est bon ? Ah, mais moi, Nathan, il va faire comment ? Ben, il est avec moi. Ouais, ok. Tu pourras le prendre ? Oui, bien sûr. Ok. Tout de suite. Ouais. Quentin. Ton dernier message, c'est « Salut Jawad ». Athéna, tu t'en rappelles ? Athéna, tu t'en rappelles ? De quoi, Quentin ? Que je me rappelle de quoi ? J'étais à RP ? Yes. Yes. Pourquoi ton Twitter, c'est... Ouais, parce que j'ai pas eu le temps de changer tout. Même la bannière, je cherche quelqu'un pour me la faire. Donc, voilà. C'est la merde, en gros. Il me reste quoi ? Bouteille d'eau ? Ouais, j'ai assez. Par contre, ouais, ce niveau... Au niveau de miam miam, j'aurais pratiquement plus rien. Bon fleur. De rien, sauté qui. Quentin Bovier. De moi. Comment ça, de moi? Alors, j'ai une 1050 Ti, une GTX, j'ai 16 Go de RAM, 1 Tera de mémoire et c'est un i5. Voilà. Et sous Windows 10. What? Ok. Je bug énormément là, je crois. Ça me dit rien. Personnellement, ça me dit rien. Quentin. Je sais pas s'il y a une SSD, je l'ai acheté comme ça le PC Jawad, mais je crois pas que j'ai un SSD. Est-ce que je peux passer par là? What digit? Non, je peux pas.
couple de ma chérie. Mmh. Tu veux que je vous laisse discuter tous les deux? Comme tu veux. Bon, tu vois, moi je peux t'attendre là, va discuter avec Calvin. Hein. Tu sais, moi je reste là. Je reste à côté de la voiture, je bouge. Tu voulais me parler? Pas spécialement, je... Bah tu m'as fait venir, donc... Bah ouais, c'était pour que tu rejoignes aussi ton homme, en fait. Bah, je sais pas, au téléphone, tu m'as dit que t'allais mettre les coordonnées GPS pour me parler, donc... Ouais, mais autant terminer la discussion au téléphone, mais je sais pas ce que... Oh putain, non. Bonsoir, shérif. Vous avez besoin de quelque chose? Oui, excusez-moi de vous déranger. Oui. Est-ce que vous nommez... c'est bien vous, la mariée, hein? Oui, bien sûr. Oui, madame Laura, bien sûr. Okay. Oui. Est-ce que je peux vous parler deux minutes? Bonjour. Oui, bien sûr. Votre mari, n'importe. Bah, oui. Allez-y, on vous écoute. On vous écoute. Oui, c'était pour l'affaire sur l'hôpital. L'hôpital. Oui. C'est bien vous qui vous êtes fait... je veux pas mettre le dire, vu que oui, c'est oui, oui. Avec des attouchements. Oui. Mais il le sait. Oui. D'accord, très bien. Est-ce que vous avez par hasard porté plainte? Non. Non. Enfin, non, il n'y a pas eu de plainte de par poser. Peur, non. Non, d'accord, très bien. Et vous pourriez-vous parce que je suis en pas entre guillemets en charge de l'enquête. Mais pourquoi il y a une enquête alors qu'il n'y a pas eu de plainte? Parce que... Oh putain. Vous m'expliquez? Excusez-moi, il y a des coups de feu. Oui, mais pourquoi vous voulez mettre une enquête alors qu'il n'y a pas de plainte? Vous avez ouvert une enquête sans plainte? Non, non, mais c'est... en fait, l'enquête n'a pas besoin d'être plainte. Si bah, comment vous êtes au courant, alors? Est-ce qu'il y a des personnes qui parlent dans cette ville? Excusez-moi, j'ai l'impression d'être vous agresser alors que je suis là dans le but de vous aider. Non, non, j'essaie juste de me renseigner, en fait, pour comprendre pourquoi, en fait, vous avez ouvert une enquête alors qu'il n'y a pas de plainte, vu que madame n'a pas désiré porter plainte, et qu'à la fin, il n'y a rien eu. Alors, je ne comprends pas pourquoi vous ouvrez une enquête alors qu'il n'y a rien, en fait. Enfin, je peux vous demander de... Baissez le temps, s'il vous plaît, juste sur ah, je parle normalement. Votre femme bon, et vous aider. Oui, d'accord, très bien. Donc, ce que je dis, c'est juste pour essayer de vous aider. Et en fait, tout simplement, comprends. Parce qu'il y a eu une histoire après, suite avec Carter ou Calvin. Calvin il a agressé une personne. Et donc, suite à ça, il y a eu un dépôt de plainte. Et donc, on s'est retrouvé avec l'ancien. Enfin, avec. Voilà, c'est pour ça. Et donc, j'aimerais avoir des informations. Si madame ne veut pas porter plainte, c'est son droit. Je ne lui oblige mais pas du tout. Ma chérie ou pas? Ouais, je vais porter plainte. Si tu veux plainte, porter plainte, hein. On porte plainte. Hein, y a je pas vais de porter plainte, mais bon, moi, j'aime pas trop en parler, quoi. C'est pour ça que j'ai pas été. C'est pour ça que je. Oui, non, je comprends. Mais je vous dis, hein, c'est votre tour de pas le faire. Si vous voulez pas, si vous voulez avoir un anonymat, vous pouvez demander. Ok. Mais en tout cas, ce que je peux vous faire, c'est enfin, vous demander, c'est de pas laisser entre guillemets impunis ces genres de personnes. Ouais, non, mais Calvin m'a surtout protégé honnêtement. Ouais, j'ai une conversation honnête avec lui, pas de soucis. Y en avait un qui voulait m'écraser aussi en sortant de l'hôpital. Deux ou trois fois. Dans le coup, Calvin m'a un peu sauvé la vie en assommant le gars seulement. Et en plus, le médecin n'était pas compétent. Bah écoutez, moi j'ai déjà parlé avec Calvin, hein. Je lui ai dit que moi je fermais les yeux sur son acte. Bah c'est surtout qu'il m'a sauvé la vie, hein, shérif, hein, faut pas l'en vouloir, hein. Ouais, non, c'est pour sinon que, j'étais morte, hein. Ouais, donc, non, je comprends, mais techniquement, en fait, ses avocats pourraient jouer sur ça, madame, il m'a mis coma, etc. Oui, donc, moi j'ai dit que je fermais les yeux, je m'en foutais. Maintenant, c'est vrai que sans plainte, je pourrais pas faire grand-chose. D'accord, mais on peut passer demain pour poser la plainte. Eh ben, oui, là, je comprends plus si vous fiancez. Comme ça, demain, le dépôt, parce que moi, en même temps, il y a des choses que le médecin a fait, pour témoigner. Vous êtes disponible quand, shérif? Écoutez, moi, je suis disponible tout le temps, techniquement, c'est que c'est vite. Bah, sinon, je vais porter plainte, hein, mon cœur. Donc, ça, c'est fait, comme ça, ça évite qu'on y aille demain. Ouais, mais à cette heure-ci, c'est un peu tard, quand même. J'irai toute seule, sinon. Vous écoutez, non, tu vas pas aller toute seule. Merci. Il s'est passé un bail tout à l'heure au niveau de la supérette. Ah, vous voulez en parler juste après, hein, monsieur Calvin? Non, 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 c'est qui a tiré? Sérieusement, je pourrais pas le dire, je suis désolé, Calvin. C'est qui a tiré?
Gavin, tu sais très bien comment je fonctionne. Non. Ben, tu sais très bien comment je fonctionne aussi. Qui c'est le policier? Oui, donc je sais très bien que si je te donne ton nom, enfin le nom de l'agent. Je vais tous vous détruire un par un. Je vais tous vous détruire un par un. Je veux un nom. Je veux un nom. Je te promets que celui qui a battu mon frère, qui lui a tiré entre les deux yeux, ça va mal se passer. C'est, je veux un nom maintenant. Si je vais péter les plombs, en fait. Je vais péter les plombs. Donc, soit tu me trouves la personne qui a fait ça, soit je vais vriller, en fait. Je vais devenir quelqu'un d'autre. Kane, je sais très bien ce que tu peux faire. De sang-froid, là. Non, mais c'est... Pour en mais tu tiré dessus, quoi. Je m'en bats les couilles, mais... Ouais, Kevin, oui, c'est ça. Oh, je suis désolé. Non, mais je sais. Oui, non, mais je sais, sans problème. Hein. C'est un ami à moi. Oui, non, mais on est tous d'accord. Hein. On est d'accord. On est au courant, pardon. Ah, d'accord, je pensais que vous étiez d'accord avec moi. Non, ouais, non, c'est rien, c'est la fatigue. Là. Après, je suis. Après, je suis à Cabo, c'est de la vie. Après, c'est... Après, moi, je dis juste que je... si j'étais à sa place, ouais. J'aurais trouvé. J'aurais voulu au moins un nom pour juste. Ouais. Ah ouais, je comprends. Après, moi, je vais essayer de la situation. Planer, si je lui donne son nom, enfin, je suis un arrêt de mort aussi, quoi. Donc, malheureusement, ouais, non, mais je comprends aussi, shérif. Hein, mais je me mets aussi à la place de mon ami. Hein. On tue par exemple mon copain et que je sais que c'est un policier. Je veux savoir qui et voilà, sans lui faire du mal, hein, pour autant. Hein, mais au moins savoir qui c'est, quoi. Ouais, non, pour aider à faire le... Je sais très bien que, bon, après, je vous connais pas, mais je sais très bien que si je donne le nom à Kevin, en plus, il vient de me l'avouer, qu'il va pas que lui faire des bisous. Oui, bah oui, lui... Ah. Oui. D'accord. Après, si je lui donne un nom, c'est je lui donne un flingue et une balle en même temps. Hein. Ouais, je vois. Bon, en tout cas, moi, je vais y aller. Bonne soirée à vous et vous pouvez passer demain sans problème au SSD. Oh, je vais passer ce soir. SSD, hein. Aucun problème. Ah, ça va. Je vais passer ce soir. D'un coup, je pourrais. C'est où que je dois me rendre chez vous, shérif? Oui, ce sera au SSD, malheureusement. Je sais que c'est un peu loin, mais. Ouais, non, mais il n'y a pas de souci. Je vais un peu aller voir Calvin avant. Et après, bon, bah. Je vous rejoins là-bas. Ça va, pas de problème. Sinon, vous contactez le LCD hein, par téléphone et je viendrai. Ça va. Ouais, mais bon, pour faire une plainte, vaut mieux que je sois au bureau. Hein. Ouais, non, c'est ça. C'est, oui, vous faites un appel quand vous y êtes, quoi. C'est ce que je veux dire. Oui, oui, il n'y a pas de souci. Voilà, allez. Bonne soirée. Ouais, bonne soirée. Et bon courage. Et bon fiançailles. Merci. Et à tout à l'heure. À tout à l'heure, shérif. Calvin, ça va? Oh ouais, non, ça saoule. C'est trop, là. Tiens. La soirée est trop. Et comment le café, il savait où est-ce qu'on était? Je sais pas. Pff, merci. Tiens, je te donne un mouchoir. Moi, je trouve ça bizarre qu'ils viennent et comme ça pour nous parler de ça, alors que voilà. Quoi. Ouais. Je trouve ça quand même assez bizarre, hein, perso. De venir nous voir pour un truc qui s'est passé avant-hier... T'inquiète, on est là, nous. D'accord? Ah non, mais je vais câbler, je vais vriller. C'est sûr. Même si je suis pas parti non plus de... Voilà, tu sais quoi? Bah voilà, t'inquiète pas. Ils ont pas tué le pire, c'est ça le truc. C'est qu'il y en a, ils font pire. Il y en a, c'est pire. Et ils savent même pas neutraliser, en fait. C'est ça le truc. C'est qu'ils savent même pas neutraliser. Mais t'es sûr que c'est un policier? Ah ouais, bah oui, tu veux que ça soit qui? Ça peut être un gang rival. Bah, ou... Le shérif, il vient de l'avouer. C'est un keuf, il vient de l'avouer. Il l'a avoué. En fait, ce que tu comprends pas, c'est que mon frère, là, il m'avait parlé qu'il en avait marre, qu'il n'en pouvait plus de cette ville, machin. Il voulait faire la banque. Il voulait faire la banque tout seul, il en avait marre de la vie. Et... Au final, il a pas pu. Manque de présence policière, il a pas pu et il a fait une supérette. C'est juste que quand tu fais une supérette et que tu vois un braqueur, bah en fait, tu cherches pas à lui tirer dans la tête, tu vois. Tu le neutralises, tu lui tires dans les jambes, tu le désarmes, tu tentes des trucs. Non, ils sont arrivés, ils l'ont abattu directement. Bah ouais, mais sauf que là, il n'y a pas eu l'hôpital, il est arrivé. Bah, c'est le décès, quoi. Sac mortuaire et c'est terminé. C'est pas comme s'il était blessé et que je pouvais le revoir demain, non. Ouais.
putain. Tu sais que nous, on est là. Hein. Ouais, je sais bien. Si t'as besoin de parler ou des trucs comme ça, on est là. Tu m'as bien aidé contre l'enfoiré de l'hôpital. Hein. Non, mais je t'ai même pas aidé, en fait. J'ai fait ce qui était normal, en fait. Je t'ai pas aidé. Si, tu m'as aidé. Moi, je veux juste un truc. Les brûlures, c'est toi. Les brûlures, c'est toi qui m'as soigné un peu. Non, t'as fait le premier soin. Bah si, t'as fait quand même les premiers soins. Ah, mais c'est lui qui t'a retiré la graisse. Ah bah tu parles. Ouais. Arrête, la gonki. Oh, t'inquiète pas, elle a toujours des belles fesses. Hein. Je sais pas, j'ai pas regardé. Ah moi aussi, moi je les vois tous les jours et toutes les secondes. Ah si tu veux, je peux te le montrer. Hein. Non, ça ira, ma chérie. Oh, bah non, voilà, regarde. Regarde, t'as vu, il rigole un peu. Il a un petit sourire, c'est bien. C'est ça que je veux. Non mais attends, comment tu qui rigole pas, s'il te plaît, t'es en train de sentir que tu lui montrais son cul. Bah au moins ça va lui donner de la joie. Tu sentais que t'avais mal au cul il y a deux jours. Tu veux toujours regarder, tu fais calme, j'ai mal au cul. Bah ça va, j'ai un peu moins mal. Bah ouais, mais bon. Putain. On essaie de te changer, de te faire rigoler un peu, quoi. Là, ma soeur, cette pute qui me dit quoi? Qui me dit, m'approche même pas, me touche pas, qu'elle m'a dit. Mais alors ça, c'est le truc, je crois que... On a parlé pendant 20 minutes, après elle m'a dit me touche pas. Je dis ok, ça marche, ok. Je te touche pas. Wesh, elle me prend pour qui? Pour une ordure ou quoi en fait? Mais sérieusement là, mais tout ce que j'ai fait pour elle, tout ce qu'elle a fait pour moi, d'accord, mais qu'elle me parle comme ça en fait, c'est... Je suis qui, wesh? Non, c'est trop. Là ce soir, en vrai, c'est trop. En fait, tu veux faire bien, tu veux faire les choses bien, et au final, quoi qu'il arrive, tu te fais niquer, tu vois. Je t'ai dit, je vais péter un plomb, je vais prendre une tenue d'opération, je vais prendre une AK, je vais rentrer dans le commissariat. Je vais tirer sur tout le monde, en fait. Que ça soit civil, que ça soit policier, je vais tirer sur tout le monde. Eh bien, écoute, je partirai en fédéral pour quelque chose, moi. Voilà. Mais le Calvin gentil, maintenant, il n'existera plus. Ça va être vite fait. Fais chier, putain. Ouais. Après, voilà, essaye de réfléchir quand même. Pose-toi. Je sais que c'est... Je peux pas me poser, en fait. Je sais, mais je sais, c'est compliqué. Même moi, j'aurais voulu savoir le coupable. Mais je vais le savoir, en fait. Je vais le savoir. Hein. Tôt ou tard, je vais le savoir, en fait. Je vais aller chez le médecin, je vais braquer un médecin, il va me donner les rapports d'autopsie. Je vais les traquer, mais je te jure que dès que je sais la personne, c'est même pas la peine. Mais voilà, essaye de pas te faire choper quand même. Hein. Ça serait cool. De toute façon, quoi? Et, oh, t'as ton gang, d'accord, à t'occuper? Non, mais mon gang, c'est bon. Mon gang, j'en peux plus, moi. C'est... Pourquoi t'en peux plus? Ouais, c'est... Y a des gars du gang, ça va, c'est les bonhommes, tu vois, c'est les gars bien. Il y a des gars du gang, c'est les gamins. Depuis quand tu t'adresses à une femme en disant tu ressembles à un garçon? Mais en fait, tu... Tiens, rien. Ouais, voilà, tiens. C'est qui, ça? Ouais, bref. Mais voilà, mais après voilà, c'est pas toi qui me l'as dit, donc t'as pas à t'en faire. Ouais, non mais je sais, j'ai même pas à m'excuser à leur place, tu vois, mais regarde, je suis encore en train de m'excuser à leur place, c'est les petits cons, c'est tout. Mais non, t'as pas à lieu, t'inquiète pas, moi je t'en veux pas. Je suis pas bien là dans ce putain de truc là. Pourtant t'es beau comme ça, je te fais un compliment, profite hein. Ouais, c'est... Putain, je vais noter l'heure et la date. Ouais. Profite. Mais t'inquiète pas. Nous, on est là, d'accord? Si t'as besoin qu'on prenne soin de toi, il n'y a pas de souci. Je pense que je vais aller me détendre, je vais aller à une cascade, je sais pas. Je vais souffler, je crois, parce que... Bah, tu veux qu'on vienne avec toi? Mais non, profitez en amoureux, vous deux. C'est votre soir, profitez, éclatez-vous. C'est dur de s'éclater alors qu'on a un pote qui c'est ça. Prend. Ouais, mais non, s'il vous plaît, juste niquez pas votre soirée pour moi. C'est vraiment ça, mais c'est un truc qui me mais souffle. Non, on va pas la niquer. Là, tu sais, la ligne de miel, on a dit qu'on la ferait plus tard déjà. Même si on nous a bien donné beaucoup de thunes, mais... Vous voilà, avez fait quoi après au mariage? Après le mariage, on a essayé d'aller voir le gouverneur. Ma femme a glissé d'une marche, et passé à travers le sol. On a galéré pendant 40 minutes. On est parti voir des tuyaux, on a galéré pendant 40 minutes. Après, elle nous faisait du deltaplane en dessous du sol.
Je crois que là, on avait fumé un gros joint. Alors, vraiment, un truc ouf, sans s'en rendre compte. Et après, on allait jusqu'à l'hôpital et j'ai mal au crâne. Je me retrouvais dans le gouvernement. J'étais dans la voiture il y a 2 secondes avant. Ouais, voilà. Sinon, on a fait ça. Mais sinon, il y a quelqu'un qui nous a offert 75 et après, Nathan m'a annoncé que, à propos de ton frère, et d'un coup, j'ai décidé de vouloir te parler pour, de dire désolé et que, qu'on est là pour toi. Et c'est là où on est venu, et c'est là, tu connais la suite. Hein. Ouais. Après, si il s'est pas battu, c'est que. Qu'il voulait plus. C'est celui que j'ai vu tout à l'heure. Ouais, c'était celui sur le garage central où il me l'avait présenté. Non, c'est un autre. En fait, je vais vous expliquer vaguement ma vie et j'aime pas en parler, mais. Non, mais le mec au magasin, c'était pas lui. Non. Non. En fait, j'ai dit garage central, c'est bon. En fait, toi, tu m'as dit que c'est ton frère, donc c'est pour ça. Mais j'ai deux frères de sang et j'ai 4 demi-frères en fait. Ma maman, c'était pas une prostituée, mais un peu comme, tu vois. Et en fait, elle a eu beaucoup de conjoints, beaucoup de maris, et elle a eu beaucoup d'enfants, mais avec beaucoup de pères différents, tu vois. Ouais. Et dans ma fratrie, vraiment, Carter, il y a Randall et Blake, tu vois. Moi, Randall et Blake. Ouais. Donc, c'était vraiment... On s'entendait bien avec nos demi-frères. C'est des familistes, tu vois, mais tout le monde, on est tous des familistes. Mais Blake et Randall, c'était vraiment mes frères de sang, quoi. C'était moi et eux, on était pareil, quoi, en fait. Et c'est ça. Et t'as pas de frère qui peut te soutenir un peu? Si, mais les autres là, on les a recrutés il y a pas longtemps, c'est pas mes frères, c'est ils font pas partie de ma famille, c'est des familles, mais regarde leur comportement, regarde leur mentalité. Oui, non, mais je te parle de frère de sang, t'en as pas frère un de... Frère de sang, c'est Blake, mais il m'a laissé me reposer, il sait comment je suis. Ouais. Il m'a laissé tranquille pour que je me repose un peu, quoi. Pareil, ma copine, ma copine qui est partie précipitamment aussi, je sais pas comment elle va. Écoute, tu sais quoi, ça a été la soirée de merde. Nous, on va pas... nous, on va mal dormir, nous, si on sait que tu seras pas avec nous. Donc, tant qu'à faire, on va tous se balader. On va au bord d'une fontaine. Une cascade, plutôt. En vrai, je sais même pas pourquoi je vis encore en fait. Ah non. Et oh, par contre, Calvin, je vais me mettre en face de toi. Tu ne dis pas ce genre de conneries, d'accord? D'accord? On est là, nous, d'accord? Même si on est garde du corps, d'accord? On est là, ok? Ouais. Si tu as besoin de parler ou besoin de te vider, quitte à me taper dessus, mais j'en ai rien à foutre. T'es complètement malade ou quoi? Complètement malade. Si tu veux, moi, je peux t'en mettre une. Comme ça, je te mets les idées en place, si tu veux. Ah, mais frappe-moi, vas-y. T'es comme moi, je m'en fous. Franchement, ouais, mais vas-y. Non. Tu sais quoi, fais-toi plaisir, vas-y. Ouais, mais non. Tape non. Fort. Non, non. Détruis-moi la tête, ça me dérangerait même pas, je crois. Mais non. Pourtant, j'aime bien me battre, hein, mais là... Oui, mais non. Je te frapperai pas. Pourquoi? Pour une simple raison, parce que t'as un ami, d'accord? Que les amis, on les soutient, d'accord? On n'est pas là pour se bagarrer. Ouais, quand je te dis je t'en mets une pour mettre tes idées en place, c'est vraiment si je dois t'en mettre une, c'est pour que tu te saisis et que tu dis pas ce genre de conneries. La prochaine fois que tu me sors que tu vas faire une connerie ou quoi que ce soit, je te jure, je t'en mets une. Ouais, mais sans vouloir t'offenser, si je fais une connerie, tu sais, je serai plus là pour que tu m'en mettes une. Hein. Oui, non, mais je te parle... Là, il marque un point. Non, je te parle là. Quand tu dis ta phrase, ouais, mais je crois que je mérite... je sais plus quoi, que tu m'as dit que tu voulais plus vivre ou je sais pas quoi. Tu me redis encore une fois cette phrase-là devant moi. Je t'en mets une pour te remettre en place les idées. Mais au pire, ce qu'on va faire, c'est que on va te ligoter. On va te foutre dans le coffre de la Porsche. Hein, on va te laisser jusqu'à que tu partes. Hein, on est sûr que tu feras pas de bêtises. Vous pouvez pas me ligoter, je sais très bien que vous pouvez pas me ligoter. Moi je peux vous ligoter, mais vous pouvez pas me ligoter. Bon, au pire, on te fout dans le coffre.
Ça peut y faire aussi. Après, on te met dans un petit entrepôt, on te coupe les bras, les jambes, hein, vu que je suis ancien MS, on met tout ça, on attache, on te met une perf, et voilà, on te laisse jusqu'à que tu partes. Genre, on n'est pas le couple du tout trop glauque, hein. Sincèrement, pas du tout. Non, on rigole. Non, mais c'est juste, ça veut juste ton bien, tu vois. Enfin, on comprend que, ouais, tu souffres. Moi, comme je t'ai dit, moi, en tant que pote, sincèrement, moi, le fait de te venger, je te dirais pas de pas le faire. Parce que moi, quand ma famille est morte, j'ai décimé toute notre famille adverse. Je les ai tous décimés, hein, de A à Z. Alors, sincèrement, c'est pas moi qui vais pas te dire de te venger. Sincèrement. La vengeance, moi, je vais te le dire, la vengeance, moi, je l'ai fait. Ça soulage pas. Sincèrement, ça soulage pas. Moi, je l'ai fait, ça soulage pas, mais ça te fait juste des gros fils de pute en moins sur la terre. Non, mais moi, ça va me soulager, en fait. Non, c'est sûr que ça va me soulager. Ouais, mais sur le coup... Ouais, mais Calvin, sur le coup, ça va te soulager. Mais après, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, tu vas y repenser et après, tu vas être encore pas bien. Et après, tu vas faire quoi? Tu vas buter qui, après? Un innocent? Non, mais autant laisser le crime impuni et puis laisser ce fils de pute continuer à tuer d'autres personnes, alors, dans ces cas-là. Ni l'un ni l'autre. Non, il n'y a pas ni l'un ni l'autre. Écoute, regarde-moi, vraiment, Laura, t'en as ma promesse un truc. C'est que le policier, je sais son nom, je le dégomme. Je lui fais 3 fois pire qu'il a fait à mon frère. Je sais pas, t'es policier, en fait, tu fais quoi dans la vie? Tu travailles pour tuer les gens ou... Par contre, on a juste un tout petit problème, hein. Excuse-moi de te couper, on a un problème, ma chérie. Quoi? Comment t'as lancé ça? Quoi? Il y a... Comment te dire? Quoi? T'avais un enfant. Ouais. Comment dire qu'il est dans l'avion, quoi? Comment ça? Ouais. Bah là, il va passer la douane, quoi. Bon, je te le dis, hein, je te dis ça, mais voilà, mais je te préviens. Et comment tu sais que j'ai un enfant? Au passage? Bah, il m'a envoyé un mail. Je sais pas comment il a eu mon mail, mais j'ai reçu un mail. T'as un enfant, Laura? Bah ouais, je sais pas. Moi, j'ai reçu un mail. Je suis l'enfant de Laura. Et tout le coup, c'est pour vous prévenir que tout le coup, j'arrive en CPA. Alors voilà. Wow. Et juste au fait, ma chérie, je m'y attendais pas. En fait, juste un truc, tu sais, mon jumeau que je t'avais dit qu'il était mort. Et ben en fait, il est pas mort, il arrive en ville, en fait. What? Non, mais c'est quoi ce délire? Moi, j'en peux plus. Ouais, t'as un enfant. Voilà. Ouais. Ben moi aussi, je le savais pas, alors ouais, ça fait plaisir de le savoir par mail. Et d'ailleurs, par la même occasion, il n'y a pas de parrain. Hein. Voilà, mais sur le coup, ouais, c'est génial de le savoir. Je dis ça, je dis rien. Hein. Mais voilà. Faut peut-être trouver un parrain. Il a quel âge? La question piège. Non, parce que je vous en ai pas, mais quand tu vas passer sa douane, il faudrait quand même que voilà. Quoi. Si c'est possible de venir en radio, vite. Cela, j'ai 26 ans, donc tu calcules. Bon, hein. On peut venir en radio, s'il vous plaît. J'avais 14, 15 ans à peu près, quand j'étais enceinte. Et ouais. Madame n'a pas le temps. Attends. Ouais, c'est pas mieux parce que là, en fait, il va passer sa douane. Mais je fais comment? On fait quoi? Parce qu'il mais c'est qui Jawed, en fait. Mais c'est Jawed. Ouais, non, mais attends, mais il faut que ça corresponde avec mon RP. Moi, j'ai 26 ans, Coco. Hein. Bah, c'est pour ça, vu que toi, dans l'autre ville, t'avais un gosse et qui devait venir. Et qu'en fait, à la fin, pour le moment, on est sur cette ville. Et que enfin, 26 ans. J'avais vu. Tu vas avoir un enfant, tu t'en souviens. Il était arrivé, ouais. Ça avait été accepté et tout. Sur le coup, Jawed, il veut faire l'enfant. Et sur le coup, voilà. Et Jean-Paul, il vient pour faire mon frère. Moi, dans une autre ville, j'avais découvert que mon frère, avant que je rentre sur Belève, j'avais fait que mon frère était encore en vie. Ouais, et que j'avais découvert. Changer de truc RP aussi quand vous changez de ville, en fait. Là, non, c'est intéressant. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça change, tu vois. Mais il y a comment, en fait, qui est le même RP de ville en ville, en fait. Il y a que moi qui suis mon histoire. Après, Laura le fait si elle le veut. Mais ouais, j'ai reçu un mail. Voilà, comme ça, on fait comment, Laura? Bah, on fait comment de quoi? Bah, tu vas avoir un enfant ou pas? Parce que moi, j'ai reçu le mail RP, mais je fais comment? Enfin, on en fait quoi?
Bah oui, je vais pas te dire non. Bah tu peux dire non et voilà. Mais... Bah non, parce que je voulais faire, je voulais avoir un gosse, donc c'était un. Moi j'ai reçu le mail RP. C'est pour ça. Ah, mais par contre, concrètement, ouais, mais Nathan, concrètement, je te le dis en HRP, comme je te l'avais dit sur l'autre serveur, c'est que tu seras pas le vrai père, hein, tu seras le beau-père. C'est hein. Pas grave, ça. Mais voir si toi tu le veux ou pas déjà, parce que sinon, oui. On sait genre que c'est pas oui, trop mais bon, quoi, ça, par contre, au niveau grandeur, waouh! Il va être aussi grand que moi. Il va être aussi grand que moi. Oui, bon, ça se pose un petit peu problème, ça. Là, ça va être compliqué. Hein. Ah non, j'ai une idée. Attends. Non, 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 mais par contre, tu me le dis, hein. Ton idée, parce que, hein. T'es bien gentil, mais. Sans deck, Calvin, là, vu qu'on en a cherpé, il est vraiment mort, ton frère. Ouais. Mais tu sais, qu'est-ce qui s'est passé en HRP? Ouais, il a fait un attentat suicide. Comment ça et... Ben, il en avait marre et il voulait qu'un truc, c'était mourir. Et... Il voulait faire un braquage de banque. Il n'y avait pas assez de policiers connectés vu qu'il en faut 7. Il en faut 7 pour un braquage? Ouais, braquage de banque, je crois que c'est 7 ou je sais plus combien. Et vu qu'il a fait ça tout à l'heure, il n'y avait pas assez. Il a fait une supérette. Et le flic, il lui a tiré dessus. Ben, il l'a mis coma et Randall, il a décidé de ne pas revivre. Et il a dit, lâche son dernier souffle. Et voilà quoi. Et dans le coup, tu sais c'est qui, HRP, qui l'a tiré? Non, je sais, non. Je sais. J'ai vu deux flics, moi, quand je suis arrivé sur les lieux, j'ai eu un pressentiment, tu vois. Je savais qu'il y a eu un braquage, j'avais entendu qu'il y a eu un braquage, j'y suis allé. Et... Mais pourquoi t'as été? J'ai vu des... Bah, j'ai eu un pressentiment, en fait. J'ai eu un pressentiment que c'était lui qui avait fait le braquage, en fait. Je sais pas pourquoi, et bah, je me suis pas trompé. Ouais, mais c'est chaud, quoi. Mais ils te l'ont annoncé, les flics, ou... Ben non, en fait, quand j'y suis allé, j'ai vu plein de policiers devant une supérette et des médecins. J'ai couru, et j'étais voir dans ils la... Ils t'ont pas interpellé qui était... Ils ont voulu m'interpeller, mais je lui ai dit, mais cassez-vous, en fait, c'est mon frère, quoi. Et ben, j'ai pleuré. Il avait les yeux ouverts, je lui ai refermé les yeux, je lui ai fait un bisou sur le front. Il a lâché son dernier souffle. Oh putain. Dur. C'est chaud, hein. Dans le coup, quand c'est comme ça, quand tu reçois une balle dans la tête et qu'il n'y a pas de dossier, ils te vous demandent s'il y a une mort RP ou pas à la personne. Ouais, mais lui, c'est ce qu'il voulait, donc je sais qu'il voulait une mort RP et on va lui effectuer, tu vois. Ouais. C'est lui qui le voulait. Et... Pourquoi? S'il en avait marre de son perso? Ouais, pas assez présent sur le serveur, il a beaucoup de trucs à faire dans la vraie vie, il reviendra en RP, tu vois, mais il préférait terminer en beauté et... C'est un familiste, tu vois. Il a voulu terminer ça en braquant. Et... Mmh. Ouais, mais c'est un peu dommage. Sinon, on peut repartir en RP pour finir la scène. Parce que sur le coup, elle, après, on a des... C'est un peu dommage, quand même. Je pleure. Hein. HRP, j'ai réussi à pleurer. C'est incroyable. Ouais, mais ça, c'est facile à faire, ça. Bah, moi aussi. J'ai trop mal aux yeux et je suis fatigué. Genre, j'arrive plus à tenir. Bah voilà, comme ça on finit la scène et voilà, que, parce que en plus demain t'as l'enfant, ton enfant je crois. Je suis dégoûté de ma soirée. Jessie. Ah ouais, ça c'est sûr, c'est une soirée pourrie, ça là, à ce niveau-là. Son père a eu un accident et elle a dû partir. Ouais, j'espère que son père ça va aller quoi, pour son père. Quoi. Donc au final, ma copine elle est partie parce que son père il a eu un accident. Je devais pas à la base être le témoin, je pensais qu'il y avait un témoin. Du coup, bah Daisy, c'est parti en freestyle comme pas possible. Mais comment elle a su que t'as fait mon témoin? En fait, il y en avait un, mais c'est toi après qui a voulu me faire. Je t'ai dit non, c'est bon, je trouve un remplaçant. C'est pour ça, à la fin, il y avait trois témoins, parce que j'ai trouvé un remplaçant, je suis parti dans le truc. Je fais, qui veut faire mon témoin? Je fais, moi. Je fais, c'est bon, j'ai trouvé un. Je me suis pas pris la tête. Elle aurait John. Elle avait John, elle. Moi je l'ai fait parce que voilà, au final, après tout, c'est moi qui. C'est avec moi qu'elle s'est changée, c'est moi qui lui a trouvé la liberté. Voilà, c'est pour ça, c'est toi qui voyais. Elle devait se continuer comme ça. Mais c'est pour ça qu'après, avant que tu partes, ça serait essayer de te coucher avec ta soeur, parce que ça fait chier quoi, de partir sur ce point-là. Quoi. De toute façon, je devais partir là aujourd'hui, hein. Mais maintenant, dans deux jours, peut-être il va y avoir l'enterrement, je sais pas. Pff, ça fait chier. Ouais, sur le coup, tu pars pas aujourd'hui, quoi. Non, je peux pas partir aujourd'hui. Là, faut juste que je fasse l'enterrement de mon frère. Quoi. J'ai... Ouais. Pour moi, quand et tu vas le faire quand? Que j'y aille. Je sais pas. Nous, on ne viendra pas. On va rester de loin. On se mettra loin.
au moins pour, voilà, pour faire des présences, mais on viendra pas sur place, quoi, on ne connaissait pas assez, quoi. C'est comme vous voulez, ouais, je sais que vous le connaissez. Ouais, non, mais même, on va pas venir, tu vois, par rapport à tous les gens qui le connaissaient, ça fait quand même un moment. On va se cacher. On va venir, on se mettra à côté de la voiture sur le parking, voilà, juste, voilà. Mais on viendra pas vraiment, tu vois, parce que ça, là, c'est un peu un manque de respect, quoi. C'est ça. Putain, ça fait chier, quoi. Pour ta soirée, ça fait chier, quoi. Vous savez que tout ça, vous pouvez le dire en RP, ça, parce que vous êtes en train de parler de ça, il faut le redire en RP après. Vous en pas. Oh, putain. Hein? Donc, bah ouais, mais on peut repartir en RP? Ouais. T'es là, mon cœur? Oui, ma chérie, je suis là. Ça va, Calvin? Ouais, ça va. Et dis-moi, les médecins, ils vont l'enterrer, ton frère, ou... Ben non, là, il est à la morgue, mon frère, là. Oui, mais après, par la suite. Après, ben, on va récupérer le corps, et puis les familles, on va s'occuper de l'enterrer. Ok. On va s'occuper de l'enterrer. Parce qu'il faisait partie de la Familise ? Ah, il fait partie des Familise, bien sûr. D'accord. Non, ouais, c'est... Putain, ça fait chier. Ouais, moi, je vais aller me coucher. Hein. C'est... J'en peux plus. Je suis à bout de fatigue. Ouais, je comprends. Mais vraiment, genre, c'est... Ouais. Mais Laura, t'as pas le droit aux jupes au gouvernement ? Pourquoi ? Attends, t'es vraiment obligé de parler de ça maintenant ? Non, mais ça tirait mieux. Je sais pas, j'aime pas le pantalon. Je suis en train de regarder, mais j'aime pas le pantalon. Ça tirait mieux une jupe. Alors, en plus, ma chérie, maintenant, on a les moyens, maintenant. Ouais, mais j'aime pas tout ce qui est jupe. Il y a un mec qui était super gentil. Et même pour courir, c'est pas terrible. Hein. Ah, il nous a filé 75 000 dollars pour la ligne de miel. Ah ouais. Ah, sur le coup, on a fait moitié-moitié. Et sur le coup, on est content qu'on a les moyens, maintenant, de pouvoir vivre, en plus, en même temps qu'on a un travail. Mais... On va acheter une petite une plaque. C'est qui va acheter un peu Le patron du mécano. Ouais, du patron central, du garage central. Il avait sauvé, tu sais, ma femme. C'est un russe. De la fusillade. Ah, et surtout, il est super gentil. Je pense, je sais pas, je connais pas le nom. Ouais, du mécano central, quoi, il est super gentil. On a acheté une maison à 2 millions avec ma chérie. Là. Ouais, il est super gentil, mais sur le coup, ouais. Sur le coup, nous, on va pouvoir... voilà. Mais on va acheter un camp demain, quand il y aura l'enterrement, quand on sera parti, on passera un bouquet de fleurs sur sa tombe. En mémoire, quand même. Calvin, je peux te parler en privé, s'il te plaît, même si c'est pas trop le moment. Je me décale, hein. Vous inquiétez pas. Je t'attends à côté de la voiture, ma chérie. Bien. Ouais. Je sais que c'est pas trop le moment, mais je voudrais te proposer quelque chose. Dis-moi. Bah écoute, je vais pas te dire que ça va te rendre joyeux, mais vu que mon fils va pas tarder à venir, je me suis dit, vu qu'il a pas de parrain, ça te dit d'être le parrain. Wow. Je fais ça pour te prouver que on tient à toi et que t'es un très bon ami. Ouais, j'entends bien, mais ça me touche beaucoup. Hein. Après, faut que j'en discute avec toi, mais vu que je vais partir très vite, j'aurai même pas le temps de le connaître et je suis même pas sûr que ça soit intéressant pour moi comme pour lui, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais bon, vu qu'il arrive là ce soir, donc... Laisse-moi ce soir pour réfléchir quand même, tu vois? Ouais. Et au pire, je t'envoie un mail, on en discute par mail tout à l'heure si tu veux. Mais je sais pas, franchement, je... Par mail ou par Skype, hein, aussi. Hein. Ouais, si tu veux. Ça sera plus simple hein, que par mail. Hein. Parce que moi, je suis pas secrétaire, tu vois, j'en ai marre d'écrire. Non, mais par mail, on n'est pas obligé de s'envoyer des mails, tu vois, on s'envoie des petits messages, tu vois ce que je veux dire. T'as mon numéro, j'ai ton numéro, voilà, tu m'envoies un message. Et... Voilà, ça veut dire. Ouais, ou alors on s'appelle sur Skype. Ouais. Au pire des cas, ça sera plus simple. Ça évite d'écrire. J'ai juste aller me coucher parce que j'ai les yeux en fait sur éclatés, ils sont lourds. À force de pleurer en vrai, j'ai les yeux très lourds. Bien sûr. Et c'est super dur. Tu revends un mouchoir ?
Ouais, je veux bien, ouais. Attends, je regarde dans ma veste. Ah. Ouais, c'est bon. J'ai un paquet de mouchards. Tiens, je te donne un paquet. Merci beaucoup. Non, bah nickel. Bah, je te redis, franchement, j'ai envie à la fois et malheureusement, j'ai pas envie. C'est compliqué. C'est pas que mais j'ai même pas envie, si c'est tu... que au final... Même si tu pars, c'est pas grave. Au moins, il va te connaître au moins une ou deux fois et c'est tout, tu vois. C'est pas trop grave. Après, si un jour tu comptes revenir, plus tard, tu vois, même si c'est dans 10 ans ou 20 ans, au moins il sait qu'il y a un parrain, tu vois. Ouais, mais pour moi, le rôle de parrain, ça demande des responsabilités qui sont super importantes et franchement, je sais pas. Moins importantes que quand même les parents, t'inquiète pas. Sinon, ouais, je t'aurais je pas bien. Proposé. Et bah, tu sais quoi, juste laisse-moi la soirée avec tout ce qui s'est passé. Putain, j'ai le hoquet. Okay. Avec tout ce qui s'est passé, c'est tellement dur de prendre des décisions. Là, je sais plus quoi faire. Je suis tellement perdu que. C'est pour ça que je t'ai dit, c'est. Voilà, c'est pas trop le moment. Je sais. Mais au moins, si ça peut te donner un tout petit sourire. Hein, là, regarde. Un petit sourire, là, ici. Oui, c'est bon, c'est bon. Et aussi, pas bah, pour te confirmer bah, qu'on t'apprécie énormément, surtout moi. Mais je t'apprécie et, beaucoup aussi. Hein. Je t'apprécie beaucoup aussi. Franchement, voilà, c'est. Je vais pas te cacher, ça me fait mal de te voir comme ça. Hein. Et. Voilà, j'ai envie de faire tout mon possible pour que tu sois bien. Ouais, bah, ouais c'est un peu compliqué. Hein. C'est... Tu peux pas décrocher la lune pour moi non plus. Hein. Je sais, mais bon. J'essaie de faire le maximum quand même. Et puis voilà, je me sens un peu. C'est pour ça que aussi je te propose ça. Je me sens aussi coupable du fait que, dans le coup, vu que tu étais témoin, bah, tu m'avais dit que ça a fait un peu d'embrouille avec ta sœur. Donc voilà quoi. Ouais, ouais, des sales embrouilles. Mais je pense que. Ouais, de toute façon, je m'en fous en fait. Je m'en fous. Maintenant, soit elle me comprend, soit elle me comprend pas. Je sais, mais bon, ça me fait chier pour toi. Ouais, je sais. Tu comprends. Par contre, Laura, je vais vraiment devoir quitter la ville prématurément parce que là, genre, j'arrive pas à tenir, quoi. J'ai mal aux yeux et t'inquiète. Fort. Hein. Genre, j'ai trop, trop mal. T'inquiète. Je te reprends un appel si tu veux. Ouais. Allez, bisous. Je vais m'endormir ici et puis. Attends, ton copain. Mais tu vas pas dormir ici ? Tu veux pas qu'il te dépose quelque part ? À un hôtel ou quelque chose ? Tu vas pas dormir là sur un parking ? Il y a le frère qui me reste. Non, c'est bon, il y a mon frère, t'inquiète. Ah, ok, bon, bah c'est bon. Nickel. Wesh, bien ? Wesh. Bah ouais, ça va. J'avais pas parti dormir, toi encore ? Calvin, je te laisse. Tu vas te reposer, d'accord ? Tu vas dans un hôtel ou tu vas dormir quelque plus, part. J'en peux plus, il faut que j'aille me coucher là. Bah c'est pour ça que je te dis ça, d'accord ? Je te serre la main ou on se fait la bise, je sais pas comme tu veux. Bah fais-moi la bise, je vais pas te serrer la main. Je... Ok. Attends. Sur la joue. Vas-y. Voilà. Allez, de toute façon, ça s'appelle. Ouais, ça marche. Prends soin de toi, allez, d'accord ? Allez, dors bien toi. Allez, fais dodo. Prends soin de toi, d'accord, chargé. Calvin, et n'oublie pas ce que je t'ai proposé. Comment tu préfères, ça va mieux. Ouais, ouais ça marche. Ça marche. Et fais pas de bêtises, si ça tu fais ferait... une carrière, je te jure, je te tue après que tu fasses. Je te jure, je serai contente. Hein. Attends, ne vous inquiétez pas, je vais ouais, parce que sinon, je viens de chercher au fond de je sais pas où, des enfers, je sais pas quoi, je te colle des bœufs dans la gueule. Mais je te l'ai déjà dit, prends au moins 4 cm de tour de bras et tu viendras me voir plus tard. Ouais. Méfie-toi, c'est pas parce que je fais pas 4 cm de plus que je pourrais pas t'en coller. Fais pas de conneries. T'as encore ton frère derrière, t'as beaucoup de gens qui tiennent à toi. Mais ton frère aurait pas voulu que tu fasses des conneries. Il va me déposer. Mange-le, mais voilà, pas plus. Ouais, allez, bonne nuit. À demain. Allez, bonne nuit, à demain. Ciao. Et il arrive quand, mon fils, là ? Oh, Nathan. Nathan. Je sais pas. Ah bah, réponds. Donc, il sera pas là ce soir ? Ah. Il sera pas là ce soir ? Je sais. Bah, il t'a rien dit.
Il a eu un panne. Hein? C'est tout. Là, il va pas. J'ai du mal à t'entendre. J'ai des sourds. Ouais, il y a des problèmes là. Ma série. Oui. Oula. Oui, de quoi? Oula. J'ai dit je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Ouais, non, mais t'as des problèmes de cordes vocales, je crois que... C'est bon. T'as ma gorge. Par contre, ma chérie, ouais. Va falloir acheter notre voiture si on a un fils. Hein. Mais d'un coup... Non, c'est mon fils déjà. Hein. Et alors, je serais son beau-père. Oui, bah... T'es pas mais... le père non plus. Je te parle pas d'être le père, je te parle d'être du beau-père. Ah bah, tu sais quoi, t'auras qu'à acheter une voiture, ma chérie. Oh, c'est bon. Non, non, mais je dis juste, tu seras... Non, mais je croyais que tu allais dire que c'est ton fils. Je te disais qu'il fallait que qu'on achète une voiture à 4 places. Ah. Parce qu'on va pas le porter dans le coffre. Non, bah non. Et même si je suis le beau-père, je l'appellerai mon fils. Même si je suis pas le père, qu'est-ce que ça change? Bah, ça change que c'est pas les mêmes liens de parentaux. Ben ma chérie, entre le lien du sang et le lien qui n'est pas mon sang, ça change rien avec le fait que je peux le considérer comme mon fils. Oui. C'est juste que je suis pas le père biologique. Ben ça change quand même. C'est moi qui vais l'élever avec toi, on va l'élever ensemble. Oui. On vivra ensemble. Ben voilà, je serai quand même son père, mais pas biologique, quoi. Oui. Je serai pas son père biologique, c'est-à-dire que ce sera quand même mon fils, mais pas de sang. Ok. C'est tout. Bon allez, on va faire dodo. Si pour toi, tu me le dis après ma chérie. Hein. On va faire dodo là. Bah ouais, si tu veux. Parce que là, je suis fatigué là. Avec tous les événements là. Ouais, c'est vrai que là, j'ai passé beaucoup de choses. Ouais. Bon, bisous mon cœur. Bisous ma chérie, je t'aime. Je t'aime aussi. Bah, et on à se demain. Passe là. Ouais. À demain. Je sais pas que c'est les idiots qui ont dessiné un rond rouge sur le sol, mais. À demain. Ouais. À demain, ma chérie. Bon, le live. Hop. On va... Hop, arrêter 5M. Alors là, en ce moment, ce soir, ça bug. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Hop. Ah, je crois que tu étais parti dormir. Non. Bah, Calvin, il est où? Il a dit qu'il... Était... Ouais, pas Calvin, il est parti dormir, il est crevé. Mais non, il a dit qu'il venait en vocal, là. Ah. Peut-être qu'on a été trop long. En tout cas, le mariage a été bon. Touche pas ma maman. Ouais mais bon, pourquoi il t'a prévenu toi et pas moi? Je sais pas. C'est pas de bonnes questions, mais genre pas lui faire mon frère et j'aime bien. C'est intéressant. Ouais mais bon, si c'est le frère jumeau, faut qu'il... Ça, qu'il ouais, faudrait que ce soit mon frère jumeau. Faudrait qu'il me ressemble à deux gouttes d'eau. Faut que tu... Ouais mais faut que tu lui dises en HRP les numéros. Hein. T'auras mon frère jumeau, voilà, ça va être chaud. Ouais, mais par contre... Ah, ça va être trop dur. Quoi? Oui, je te disais. Merde. Faudra que tu le dises en HRP à... Comment il s'appelle? À Jean-Paul, les numéros. Mais par contre, les coupes de cheveux, ça serait bien qu'ils changent, tu vois, qu'ils fassent pas la même que la tienne. Ah bah, on verra hein, si c'est mon jumeau ou pas, hein. Bah... De base, toi, c'est qu'un jumeau que t'as. Bon, après, j'ai eu un jumeau, mais je peux agrandir la famille si je veux, quoi, tu vois, dans mon histoire, mais...
mais c'est chaud. Comment tu veux l'agrandir? Ben, j'ai une grande famille de base. Hein. J'ai, dans ma famille riche, j'ai, enfin, dans ma famille qui sont décédés de base, j'ai un frère jumeau, mais j'ai quatre sœurs. Mais je veux dire que j'ai un frère jumeau et un frère. Je suis pas obligé. Voilà. Il faut qu'on se ressemble aussi, quoi. C'est ça. Mais je savais pas qu'il avait rejoint le serveur Jawad. Ouais. Yo, mon petit Jawad. En plus, Jean-Paul, il va travailler dans le truc du garde du corps. Il n'y a plus de place, hein. Oui, bon, oui, mais plus tard. T'imagines, c'est-à-dire qu'on ça refera, tu sais, comme sur... voilà, tu vois ce que je veux dire. Hein? Ouais. Ça serait chaud. Hein. Mais il est dans le truc d'attente, là. Il est en train de faire l'attente pour la douane. Bah, Jawad, t'es en train de faire l'attente pour la douane. Qu'est-ce que tu fous, là? De quoi? T'es en train de faire l'attente, oui, pour la douane, non? On m'appelle. Moi, je réponds. Bah, mets-toi, ouais, sur ton téléphone, sur Discord avec cet appel-là et ça y est, ton PC. Non, j'ai plus de téléphone, il est éclaté. Et bien, repars en douane parce que sinon il va croire que t'es parti. C'est ça. Allez. Il y a beaucoup de monde ou pas, ou t'es tout seul? 4, on est 4. Eh bah, vas-y, go. Aussi. Ouais, il vas-y, peut vas-y, go, t'as 4. Ils chier, à ce qu'il paraît, ils sont stricts. Oui, non, oui, mais t'as lu le règlement? Ah, c'est un règlement, quoi. Non, oui, non, mais non. Sincèrement, enfin, je t'explique. Non, il y a une phrase. Il y a une phrase. Tous les points. Ouais, non, c'est même pas ça. C'est qu'ils vont poser des questions sur tous les points. Ils te posent des questions sur tous les points du règlement. Alors, relis-le au moins 4 fois. Et même, t'as une phrase aussi. Retiens bien que il faut 2 sucres pour Jaco. C'est ça, Laura. Combien de morceaux de sucre pour le dans le café? Pour Jaco. Voilà, c'est ça. Pour Jaco, ça l'a vu. Mais voilà, mais lis le règlement, lis-le. Tu le lis et au début, quand tu vas arriver, tu fais, ça va être, ils vont faire une scène directement en RP. Ils vont pas te dire on est en RP. Tu dis directement bonjour monsieur passeport. Ils vont te faire une scène RP et après tu prends la HRP. Mais lis bien le règlement. Lis-le au moins 2 ou 3 fois. J'ai changé 2 fois de pseudo. Monsieur. Et en plus, d'ici la fin de la semaine, normalement, le serveur devrait passer en 128 slots bientôt. Ouais. Il y a un gamin de 13 ans. Je lui dis, mais tu seras pas toi. Mais t'as quel âge toi déjà? J'ai 18. Ça devrait aller, ouais. Bon, allez, vas-y, allez, casse-toi. Ouais, mais par contre, Jawad. Oui. Faut qu'on s'organise pour le prénom, hein, quand même. Hein. Bah, ouais, mais t'auras quel âge? Bah, je ferai une boîte gamin, c'est pas grave. T'auras quel âge, Laura, toi? Bah, après, moi, je l'ai eu à 15 ans, 15-16 ans. Putain, à 16 ans, ça lui fait quel âge? J'ai pas 15 ans, wesh. Ouais, t'auras 10 ans, gamin. Arrête, t'auras 11 ans. Bah, t'auras 11 ans, wesh. Mais arrête de me parler comme ça, vas-y, non, fais-la normalement, ta douane, et nous on va aller voir les ennemis, les Fonda et tout, pour voir avec eux si c'est possible de que tu fasses. Bah, tu comptes en gamin au pire. Oui, bon, bref, d'abord pour le moment, vas-y, va faire le truc et nous on va voir avec eux, d'accord? Ouais. Allez, va dans ta douane. Je vais essayer de me. On va avoir besoin d'aide, Laurent? Ouais. Vas-y. Allez. Bonsoir, salut Carlos. Enfin, ouais. Non, je vais pas prendre les quais, monsieur. Non, là, votre moto, on dirait un choupa choups, monsieur. Merde, je suis encore en live. Mais monsieur, en fait, votre moto, elle s'allume quand on monte dessus, d'accord? Et les roues, regardez les roues, on dirait un choupa choups. La personne qui te suit. C'est pas si, on dirait un vibromasseur. Merci, Hybrid, pour ton follow sur Twitch. C'est bon, on peut parler, il a coupé son champ. Merci pour ton follow sur Twitch. T'as un nouveau follow, une nouvelle personne qui te suit. Oh, fan des tarpes, merci pour ton follow sur Twitch. Ça fait zizir. La famille, ça fait plus zizir. N'hésitez pas à partager les chaînes. Là, vous arrivez à la fin du live. Donc,
Là, je vais arrêter le live, mais il y aura une suite, bien sûr, demain ou après-demain. Là, c'est en train de bouger sur les RP. Et là, ça, c'est en train de bouger. Regardez en rediff ce live, parce que franchement, il y a que des émotions. Il y a de la tristesse, de la joie, de la panique, du stress. Il y a de tout. Il y a de tout. De l'amour. Il y a beaucoup d'amour. Donc voilà, n'hésitez pas à... Et la surprise à la fin du live que vous pouvez voir après. Donc voilà. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis peut-être à demain. Allez, ciao. Ciao.